et bonsoir. Les remerciements à faire. Soyons très solennels d'un coup. Merci, Mimi Twilight. C'est début de live solennel. Pour ton abonnement de niveau 1, c'est ton 9e mois. Incroyable, j'ai jamais streamé 9 mois. Donc bah merci pour ces mois où tu t'es abonné dans le vent. Non, on va dire pour soutenir la chaîne, voilà, c'est ça qu'on veut. Et merci, Yaïmé. Donc ça avait bien foiré, hein. Ton abonnement, je suis pas fou. Merci pour ton abonnement Prime. Ton 2e mois d'abonnement. Vu que ça a beaucoup... beaucoup parlé dans le chat par rapport au temple. Apparemment, il y a très peu d'amour pour le temple qu'on va faire. Je m'en souviens pas des masses. Hein. Je me souviens, tu peux augmenter un peu ton micro. Alors, c'est le souci du micro. Hein. Va falloir que je fasse quelque chose parce que le problème, c'est que si j'augmente... si j'augmente de trop... On va peut-être baisser ça aussi. Alors que je fasse quelque chose avec mon micro, ça veut plus, hein. J'ai tripatouillé les paramètres, j'ai essayé de voir dans les filtres par rapport au compresseur, à des trucs que je ne comprends pas, disons-le clairement. Et j'arrive pas, quoi, je ne comprends pas, je n'arrive plus à voir la qualité que j'avais dans les vidéos de l'époque, etc. Donc, je sais pas si c'est le Blue Yeti qui... simplement à vriller et qui fait que je n'arrive plus à avoir le bon son. J'ai jamais eu de problème de micro auparavant, je comprends vraiment pas. Donc ça sent l'investissement à venir. Merde, j'ai déjà beaucoup investi. Là, je peux pas monter plus, sinon après on va partir dans les crashs. 1, 2, 1, 2. Ah, je sais plus quoi faire parce que je suis à 3,2, moins 3,2 décibels. Et la tisane est présente, mais bien sûr. Le boss est sympa, me dit. Merci, Uginou ou Uginou. Ton abonnement de niveau 1, c'est son 4e mois d'abonnement, dont un mois consécutif. Incroyable, les amis. Ça, c'est du type comme on les aime. T'as été chez le coiffeur? Non, j'arrive. J'ai perdu mes cheveux. Bon, Bibi, cette fois-ci, je n'ai pas raté le live, même si j'ai toujours pas de notif. J'adore Twitch. On adore. Comment ça va? Ben, ça va très bien, Trix 30 et toi. Après ça, les notifs, je n'y suis pour rien. Oh là là, je vois que ça va saturer. C'est mieux, là. Bon, on me dit que c'est mieux, je vais garder là-dessus. Par contre, je vois bien que je pars dans le jaune, donc je vais éloigner un peu le micro. Qu'est-ce que ça m'emmerde. Résultat, même mes rediffs, j'entends que le son du micro, il est caca. Non mais alors, le défi, enfin le truc des rouskis. Je dis défi parce que c'est comme ça que Twitch me le dit. Vous m'avez dit que les rouskis ça servait à rien. Il est vrai. Ça sert à avoir deux émotes de Jean-Pierre Coff. Ça c'est du cadeau. Et donc on parlait des vidéos React. Alors je me suis dit, ah, je veux enlever ton casque ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit check-up coiffure. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait un truc pour le fameux react de leçon de cuisine. Je sais pas si le goal, enfin l'objectif, va être dur ou pas du tout à avoir. Donc là, je peux le faire débuter. J'ai le doigt dessus. Si vous me mettez la pression, là, ouh, ça va partir. Allez, on verra bien. Pire, ce sera drôle. Vérifiez bien ces informations, ta gueule. Oh, le défi de la communauté a commencé, mais c'est incroyable, les amis. Il y a même une banderole. J'ai essayé de pas trop m'exciter par rapport au micro.
Quel BG, bah merci. Alors, vu que ça vous intéresse souvent, c'est pêche de vigne. Rien à voir avec. Petite chose. Les dernières fois. Bon, les rouskis. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'autre que ma famille en manger. Hein. J'ai jamais vu un autre être humain sortir sa boîte à rouskis, en déballer une dans le train et bouffer une rouskie. C'est fou. Moi, je connais ça depuis petit parce que mes parents en achetaient et puis qu'ils aimaient ça et puis que bah nous aussi. Hein. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre que nous manger des rouskis. Donc je sais pas si on fait tout le chiffre d'affaires de Reflet de France. En plus, on marque Reflet de France. J'en ai même, je crois, attendez que je réfléchisse, moi j'en ai jamais vu dans une pâtisserie, dans une boulangerie, dans un machin. J'en ai jamais vu au parc à Carrefour. Toujours les mêmes. Et le son de cuisine, OMG, ça monte. Ça remonte. On va le débloquer en 5 minutes. Non, parce que je crois que tu es bloqué à 2000. Eh oui, c'est ça, les amis, la subtilité. Ah merde, il y a déjà 19 000 qui ont été levés. 9 000 sur 100. Ah, on peut donner que 2000. Eh, c'est pas moi. Moi, c'est Twitch, il m'a dit c'est minimum, je crois, 100, max 200, max 2000. Et j'ai regardé, j'avais pas la main pour changer le truc. Pourquoi on peut donner que 2000? Bah si, alors je crois que ça doit pouvoir se bouger. Même pas prévu celle-là. Un petit drop beat. On mangeait aussi petit, mais aujourd'hui ça a quasiment disparu. Et mais pas à Carrefour, les amis. Sponsor par Carrefour. Pas connecter ta manette. Si, regardez. La claque. Oh là là, comme c'est réactif. Comme c'est beau. Aventure de Gérard. Oui, non, mais je sais jouer au jeu, mon gars. Alors attendez. Ferme. Hop. Cette belle musique. Je me posais la question, je me suis dit pourquoi j'ai que 3 cœurs là? Non, non, c'est juste que j'ai dû me prendre plein de coups à la fin. Déjà 29 000, 29K. Ah, si ça pouvait être mon salaire. Bon, je crois que ça va vite être atteint. Hein. Je pense que voilà, j'apprends. Je savais pas trop ce que ça allait donner. 1h06 ou 1h06? On a ce garde automatique. Ah, j'avoue, j'ai pas trop laissé le temps. Hein. Là, je commence direct. On s'était arrêté. Je me souvenais même plus qu'on était rentré, dis donc. Ah, peut-être que j'avais pas de quoi sauvegarder à l'extérieur. Mais voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu. Dernière fois. Ah, attendez. Bah, c'est quand même Zelda. Alors je vais quand même respecter un peu le jeu et me le foutre en grand écran. Voilà. Non pas que j'ai envie d'admirer ces superbes graphismes triple HD sur mon écran d'OB, mais quand même, c'est quand même mieux comme ça. On t'entend pas trop, mais tu es le seul à ne pas trop m'entendre. Baisse le son du jeu, STP. Oh non, je viens de passer dans le truc. Et il me faut du matos professionnel. Hein. Abonnez-vous, les amis! Parce que là, c'est la merde! J'ai qu'un écran, je suis obligé de passer à chaque fois entre les deux. Et pourtant, je peux vous dire que le son visualisé dans mes barres, le micro est beaucoup plus fort que le son du jeu. Hein. Donc c'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. Est-ce que là, on est bon? Est-ce que c'est mieux? Je peux me faire... par des trucs, non, c'est bon. C'est parfait, me dit-on. On va dire ça, loul. Bah, Adieu Maxou, il a des oreilles de titan, apparemment. Ah, écoutez, ça fera l'objet de tout ça de. Mais oh là là, la caméra. Je m'en souviens. Ça fera l'objet de. Yes. Investissement. Est-ce que j'ai mon bouclier en bois ou j'ai lequel?
fait. Et je vais mourir. Ah non, on n'a dit pas de game over. Est-ce que j'ai de quoi me soigner? Large. Pas demain la veille que vous me verrez rater. Et... oh, cette caméra, c'est encore pire que la dernière fois. Hop là. J'ai pas rêvé, hein, j'ai bien vu un trou du cul. Ah oui, il avait peur des... il avait peur des... voilà, des petits animaux qui flottent là. Les araignées. Non, pas... oh là là. Les chauves-souris. Oh, je vais y arriver. C'est fou que ce Zelda Skyward Sword soit moins beau que les autres Zelda comme Wind Waker et Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight Princess, je suis pas vraiment d'accord. Parce que il était. Il est pas fou de ouf non plus, hein. Twilight Princess, techniquement. Il a un peu vieilli quand même. Wind Waker, le truc c'est que son style graphique fait que il est sorti. Qu'est-ce qu'il y a à mon micro encore? C'est plus bon? J'ai rien touché, hein. Et pourquoi à chaque stream ça se dégrade? C'est ça la question. Par contre, comme je disais, Wind Waker, il est sorti, paf, et direct la jeunesse éternelle. Il a arrêté de vieillir. C'est un style tellement cartoon que, à part la résolution forcément de la GameCube qui fait que... quand tu t'éloignes de ton micro, il y a un gros problème. Mais dites-moi, c'est quoi le gros problème? Vous me dites tout et son contraire, moi je sais plus. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il y a des monstres! Qu'est-ce que tu fais là? Décidément, tu choisis de drôles d'endroits pour chercher ton ami. Parlant de ça, avant de venir ici, j'ai vu une blonde bizarre se faire enlever. Pas vraiment pu l'aider, tu comprends. Il y avait tellement de monstres. Surtout que t'as pas de jambes. D'ailleurs, si tu tiens à la vie, tu ferais bien de te tailler toi-même. Merci pour l'info. La nostalgie qui vous parle là, même techniquement, TP a mal vieilli par rapport à Wind Waker. Oui, qu'est-ce qu'il veut lui? Ne m'attaque pas quand je parle au chat. Ouais, Twilight Princess, franchement, il est... même le... je vais dire remake, non. Même le portage HD, il est pas... y a rien de miraculeux, hein. C'est vraiment... t'as les mêmes murs bien anguleux. T'as les mêmes machins, enfin, c'est... c'est pas... bon, tu me diras, là, ce qu'on voit. C'est pas non plus... ah, tiens, est-ce qu'on verrait pas... ah, merde. Ah, je l'ai fait bouger. Sinon... on verrait pas une petite... les cheveux de Link. Oh, c'est trop marrant, ça. Regardez, je touche plus à rien. Et c'est pas tout le temps. Je sais pas quand est-ce qu'il... quand est-ce qu'il décide que la caméra doit montrer le crâne de Link. On en est à combien? Oh! Eh, ça avance! Bah, j'ai eu peur de tomber dans la... on va bientôt pouvoir acheter des trucs à... à... merde, pas de gueule. Atterri! Thank you! Et la caméra, mais c'est dingue! Y a qu'à moi que ça le fait? Ou... mais regardez! Mais... c'est bizarre! Vous avez vu mes sauts à chaque fois, la caméra qui plonge vers le haut? Y a qu'à moi que ça le fait? Ou... j'ai vraiment commencé à croire que j'ai un... j'ai un drift du Joy-Con droit, hein. Mais ça le fait que dans un sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai entrouvert ça. Grosse énigme. Alors, personne n'aime ce temple, c'est ça, parce que j'ai cru comprendre que c'était facile. Et que... alors là, j'ai envie d'envoyer mon fidèle destrier. Comment on fait ça? Et la caméra, et voilà. Ah non, mais c'est sûr, parce que là, elle bouge vers la droite. Attendez. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Allons en avoir le cœur net. Ouais, ouais, c'est bien. Inclinez et maintenez le stick que vous voulez calibrer, celui-là. Ouais, on sent que vers le haut,
Vous avez vu des fois, il y a des petites descentes qui ont du mal à se faire, descend plus lentement. Et je pense que résultat, quand des fois je bouge un peu la caméra pour me réorienter, doit y avoir ce truc qui fait que je lève. Si je lève, ça le fait la caméra en l'air? Lève. Ah non, ça devrait être vers le bas. Bon, je comprends plus. Il faudrait qu'il drifte en direction du bas pour me montrer ça. Bah, je commence à croire que c'est le jeu hein, qui est comme ça. Oh, c'était comment pour M. Ah! Non, mais je le savais hein, que c'était ça qu'il fallait couper. Prenez pour qui là? Vous croyez pas que j'allais essayer de casser les chaînes en métal non plus? Faut avoir confiance en moi un petit peu, les gars. Hein, parce que moi, voilà. Des années d'expérience. C'est ton Joy-Con le souci. Oh bah merde, je vais pas leur envoyer le droit. En plus, s'il faut Nintendo, ils sont cucu, ils vont dire ah non, y a que le gauche qui déconne. MFA, elle est vraiment pas moins chiante. Hein. Elle continue de nous dire de la merde. Maître, je détecte un nouveau type d'ennemi devant vous qui semble doté de fortes capacités. C'est Thibaut Inchep. T'aimes les gens. Mais sur 1, lorsque vous ciblez un ennemi avec ZL et je vous fournirai toutes les informations. Ouais, mais je sais, on l'a fait avec Jiraim. Avec Juju! Alors, muni de fortes capacités physiques, hein. Oh! Oh! Ah, il m'a mis un hyper cute! Les fortes capacités, c'est juste. Yes! Oh, 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 Thibaut Inchep, il était fort, hein. Je peux jouer à la manette pro. Alors oui, mais j'ai oublié. Donc c'est toujours pas le stream où on essayera les contrôles. Les contrôles avec le stick pour l'épée. J'appréhende en fait hein, ce moment. Je vais prêter un Joy-Con droit, j'en ai 4 paires. Non, t'inquiète pas, hein, je vais finir avec mon merdeux. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'allais dire que t'es tout mignon, mais non, en plus t'es dégueulasse. C'est quoi ces yeux cubiques là? Mais même les joues? Ah, mais on voit les polygones ou c'est moi? Mais regardez ces joues avec l'effet de lumière là. Regardez ça, on voit tout plein de cubes. Oh. Toi t'as été fini à la piste toi. Hein. Toi c'était la veille du lancement, ils se sont dit merde, t'as oublié de lisser, t'as pas oublié de lisser un ennemi par hasard? Oh si. Oh bah vas-y, peut-être ils verront pas. De toute façon, ils vont jouer sur des télé HD, un jeu SD, ça va être dégueulasse. Tapons les bombes. Ce temple, franchement, je m'en souviens quasiment pas. Hein. Enfin, c'est ça qu'il fallait que je fasse, mais... Je sais qu'il y a un moment, il y aura une boule. Ah bah voilà. Il va la repérer l'équilibriste. Vous avez levé 36 000 rouskis. Ça fait beaucoup de rouskis. Il est pas mal ce temple et machin. T'as pas une autre paire? Non, je n'ai que cette paire-là depuis le lancement de la Switch. Ça, c'est les Joy-Con originels. 3 mars 2017. On était contents, là, on se disait « Ah, c'est trop bien, regarde là, bah. Et puis voilà, quoi. Je sais pas si j'étais censé... On peut pas tomber, en plus, je crois. Ça, c'est con, ils ont pas fait comme Mario Galaxy. J'entends les ennemis, je sais juste pas où vous êtes. Et voilà les, tes auras dans la lave. Les auras dans la lave? C'est pas des auras ça. À la limite, ils ressembleraient peut-être aux auras des premiers épisodes, et encore que. Ah, j'ai mon cerveau supérieur. Oh là 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 là, oh Mr. Bibi. D'où? Je demande réparation. D'où ça l'a pas cassé? Ah par contre la merde. Oh, c'est un peu trop haut. Ah. Mais d'où ça a pas cassé le mur? Là-haut. Là, je suis pas très d'accord. Allez go. Ah non, elle tombe de l'autre côté. Ah, alors attendez. Merde, mais... pire timing. On va la mettre là, comme ça elle ira pas trop loin. Roule, roule, roule. Sans s'arrêter. Ouais. Diable.
si tu peux tomber. Ah bon? Ah peut-être si on se fait ken par un ennemi. Mais non, c'est artistique. Hein. Ah tout peut-être, hein. Bacon, tout peut-être artistique, hein. Tout peut se justifier. Oh mais là... Pour montrer que l'ennemi a un côté sensible et délicat. La texture de la lave nous rappelle bien l'époque, oui, c'est un peu moche pour le... Bah, moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est quand on prend un peu de distance, bah, c'est le style de Skyward Sword, mais ça se voit moins avec cet avec ce portage HD. C'est... On voit comme... un peu comme du... Merde, comment il s'appelle ce courant de... De style dans la peinture, où c'est des pointillis... C'est des petits points de peinture. Peut-être le pointillisme. Je sais pas. On va dire le pointillis. Et bah c'est un peu ça quoi. On a l'impression que dans la lave, il y a plein de petits... pas de points, mais de taches de différentes couleurs. Et je trouve que ça donne un style... je trouve que ça donne un petit style. Mais faut regarder la lave qui est un peu, ouais, un peu au-dessus de la tête de Link. S'il n'y a pas cet énorme rocher qui casse les pieds là. Pointillisme, oui. Non, c'est vrai, c'est pointillisme. Bon, je devais le savoir, mais... ça me paraissait tellement louche que je me suis dit, bon, on va le dire sur le ton de la blague parce que je sens que je vais me faire ken par les amateurs d'art. Ils sont sûrement beaucoup. Comment je te tue, toi? C'est un peu laid, quand même. Moi, tout ce qui est laid, je tue. Ouh. Oh, bon, il va pas mourir avec ça, mais au moins. Comment je peux tomber avec ça, moi? En allant trop vite? En me prenant un ennemi? Oh, excusez-moi. Non, Link. Oh, Michael Jackson. Ah, je peux leur rouler dessus. Je vais te rouler dessus, moi, ma grande. Trévin du... Oh, merde, attendez. Ah, non, non, non. Oui, oui. Ça y est. Je crois que j'étais en voie de me tuer. Oh, putain. Oh, l'animation. Allez, Link. Yeah. Parfait. Ah, je trouve pas. Où est-ce que j'ai bien pu le fourrer? Je l'ai perdu en venant ici ou quoi? Et là, tu tombes bien, toi. Moi, c'est Ferrug. C'est pas le hasard qui nous fait nous rencontrer, j'en suis sûr. T'es venu m'aider à chercher mon sac de bombes. Pourquoi toujours spoiler les objets, les choses? Je cherchais des trésors dans le coin quand je suis tombé sur des monstres derrière ces rochers. J'ai dû perdre quand je me suis carapaté. Ah, carapaté. Bon, ça, je sais. C'est pas un nouveau mot à apprendre. Carapaté, c'est... C'est ça que c'est super pratique, ça permet de ranger des fleurs de bombe et de les utiliser quand tu veux, c'est trop galère de pas en avoir. Ah, je t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas respecté. Là, il y a un truc. Est-ce que je peux rentrer dedans? Oui, parce qu'on est tout petit. Tiens, regarde. C'est un cadeau. Il est pour toi. Ah, j'aime bien. Bon, alors il est un peu con parce qu'il a fui mais pas assez loin. Et j'aime bien quand les intelligences artificielles réagissent un petit peu à ce qui se passe... Merde, à ce qui se passe sur la map. Hey Bibi, comment ça va? Est-ce que tu vas continuer YouTube? Bah, YouTube, il y aura des rediffusions, si c'est ça que tu veux savoir. Pas sûr que c'est ça que t'entends par continuer, mais... C'est ce qu'il y aura, en tout cas. Là, vous avez vu sur le mur? Si, on voit que c'est des espèces de... Des petits coups de peinture, quoi. Un peu les uns à côté des autres. Bon, après, je dis pas que c'est beau, hein. Ça donne un style, mais bon, je pense vraiment qu'ils auraient dû faire ce jeu sur une console plus puissante. Ils auraient pu faire un... Ils auraient pu faire mieux en termes de style, ils auraient pu être un peu plus... Ça servait à quoi, ce que j'ai fait, là? Du quoi? Ah oui, non. Servait à rien, c'est bien ce qui me semblait. Par contre, si on fait le bowling, comme nous l'a appris Miyamoto... Incroyable. Vous avez déjà levé 49 000 rouskis. Vous n'allez pas me dire qu'on va faire le react à la fin du live, quand même. Même un peu chaud, c'est pour ça que je maîtrise le geste. Qu'est-ce que tu veux, Faye? Votre énergie vitale est faible. Oh, ah oui, c'est en fait c'est ces messages-là qu'ils ont mis en pause.
C'est les messages du en mode votre Joy-Con n'a plus de batterie. Est-ce que tu veux, mais tu devrais faire une chaîne de rediff de tes lives, comme ça fera du contenu sur YouTube et en plus ça fera plaisir à ta communauté. Et pourquoi ne pas les poster tout simplement sur la chaîne en elle-même? C'est ça la question. Pour kiffer ta série à l'ancienne sur Ocarina of Time. Offre. Et merci. Le but de Miyamoto sur ce Zelda, c'est avant tout le motion gaming et après les graphismes. Bah après, j'ai envie de dire, Zelda, les graphismes, ça a jamais non plus été forcément le fer de lance. Ocarina of Time, oui. Mais Zelda 1, Zelda 2, A Link to the Past, bah, je dis pas qu'il est moche, hein. Mais on a connu mieux quand même sur la Super Nintendo. Le but de Zelda, c'est pas tant la claque technique. Même si Ocarina of Time en imposait quand même un petit peu, je trouve, pour de la 3D. Surtout quand tu le compares à Mario 64, qui est sorti au lancement de la console. Hop. Par contre, vous en collez deux d'un coup, ça c'est... Ah, yes, on comme ça. Je m'en fous, j'ai deux fées, eh bien là. Ah, mais ils font comme Ocarina of Time, ils se relayent. Non, pas du tout. Oui, non, peut-être. Mettez-vous d'accord. Ah, mais c'est vrai qu'il faut que je brandisse le bouclier, moi. J'assumais que ça me protégeait. Ah oui, mais on peut les enchaîner. Vous avez obtenu une queue de lézard. L'extrémité de cet appendice est équipée d'une dangereuse boule à pointe. Un objet répugnant, mais qui peut servir. Pour les soirées sadomaso, ça. Aïe, ah, ils étaient bien pensés ces ennemis quand même. Que eux ils se protègent dans un sens, mais c'est un peu moins visible que les moblins à la con. Et le fait de devoir le faire plusieurs fois avant qu'ils se protègent dans un sens pour pouvoir trouver une feinte. Non non, c'est un bon ennemi. Je plus sois les Lys Alphos. Il y a eu un game over dans le précédent live Zelda. Non. Voyons, pas au début du jeu. Il n'y a pas eu de game over. Alors j'ai peut-être utilisé déjà une fée. Ça c'est possible. Ou alors j'ai bu une potion. Je me souviens plus. La mémoire est à très court terme. Être des compilations sur ta chaîne principale et des rediffs en entier sur une autre chaîne. Ah, je sais qu'après, c'est ce que font, je crois, la majorité. Bon, vous avez trouvé un sac de bombes. Disons, l'item, il intervient vachement tôt, hein. Après, je me souviens plus trop, mais vous m'avez dit que ce temple est assez court. Cette besace, ah, la besace. Fort commode permet d'emporter avec soi leur bombe ramassée. Là, qui pourrait vous permettre d'accéder à des zones jusqu'ici inaccessibles. Vous voyez, si Fierug accepte de vous le prêter, retourne dans les endroits au début du temple. T'as vu mon œil? Bien belle pièce. C'est des... Vénère les moblines ici. Ça ne fallait bien tout. Ça rappelle grave Ocarina of Time, là, les lézards dans le premier endroit de feu. Ah, de toute façon, dans les Zelda, après, ils changent un petit peu de design, mais c'est le même ennemi. Il s'appelait des Lys Alphos. Et bah là, c'est des Lys Alphos aussi, hein. Ah, t'as trouvé mon sac de bombes? Ouais, je te dois une fière chandelle. Allez, rends-le-moi. Eh, tu veux que je te le prête pour que tu puisses continuer ton chemin? Ah ouais, tu disais que tu cherchais une amie à toi, tu dois y tenir pour venir jusqu'ici. En fait, à propos de mon pote... Non. Ouais, non. Gérard, il a pas... Vu qu'il sait pas parler, il a pas les bails, donc... À propos de mon pote, non. Pourquoi non? Je sais pas. Il est rentré, il s'inquiétait. On sait même pas, il en est advenu quoi de ce bonhomme? J'ai envie de dire... Garde des rouskis de côté pour d'autres défis, car je sens que tu as des idées de défis encore plus fous. Pour les Zelda CD. Ah bah, c'est sûr qu'une fois que je me serais fait un peu au défi et... À quelle allure ça va, etc. Parce que là, il me disait, vous avez 30 jours et il faut que deux personnes chaque jour donnent 2000 pour que ça marche. Et je sais pas, je me suis dit, ouais, mais moi, je live pas tous les jours. Donc, voilà. Mais je pensais pas qu'il y aurait 56 000 Rouski déjà de... d'investi en moins de 30 minutes de live, quoi. On va dire non.
J'espère qu'il lui est rien arrivé. Si ça se trouve, les monstres lui ont réglé son compte. Ah, le pauvre. Rotarn. Oh mon dieu, tu existes encore. Pour moi, tu avais disparu en 2016. 5 ans plus tard, je retrouve le Bibi. Et ça, c'est incroyable, les amis. Il avait disparu de la circulation. Il a fini en ermite dans les montagnes. Et il est revenu pour stream Skyward Sword HD. Tu dois être aussi très inquiet pour ton amie, tu sais même pas si elle est encore vivante. Ouais, je te le donne mon sac et fais-en bon usage. Il est gentil parce que j'aurais pu lui dire non, ton ami t'attend ou non, t'en fais pas, il est rentré chez toi. J'ai juste dit non. Out of context, on ne sait pas. T'as peut-être le sac de bombe, ne trahissez pas la confiance de Pérug. Prenez-en. Oui, j'ai bien compris que tu me l'as donné. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va. Ça va, si c'est pour me donner des bombes, j'accepte qu'on me coupe la parole. J'ai obtenu 5 bombes. Vous pouvez les jeter ou les faire rouler pour détruire des matériaux résistants. Ravitaillez-vous dès que possible. Alors ça, c'était une des bonnes idées de ce Zelda. C'était, si je ne m'abuse, ça va peut-être finir en catastrophe. Je prends la bombe, je fais B, et je la mets dans mon sac de bombes. Et ça, c'est une très bonne idée, que Ocarina of Time aurait peut-être pu emprunter, vu qu'il y avait des choupetteurs à droite à gauche. On aurait pu genre les prendre et hop, les glisser dans l'inventaire. Après, bon, Ocarina of Time a déjà posé tellement de bases, je vais pas lui en vouloir de pas avoir eu cette idée. Mais franchement, c'est une bonne idée. Alors quand t'es à court de bombes, imagine qu'on le sera quasiment jamais, tellement le jeu va nous en donner dans tous les coins. Et si j'essaie de mettre une bombe alors que c'est... Je veux bien la pause. J'ai voulu l'acheter, mais mon geste ne devait pas être assez balèze. Et ici c'est bon. Alors attends, il va. Non, parce que je dis peut-être des conneries. Hein. Ouais, non, on peut pas le bouger à la Mario Galaxy. Est-ce qu'il veut qu'on revienne au début? Parce qu'il nous parlait, des lieux. Retourne sur des lieux dans lesquels t'as déjà été. Qu'est-ce à faire ici? Qu'il y a là-bas. C'est vers Akasu. Non, c'était l'autre con. Je dénigre tellement ce peuple, tellement je le trouve nul. Ah bah non, je crois que c'est tout en fait. Alors, revenez pas sur des endroits où vous avez déjà été. S'il n'y a pas besoin de revenir. Tu reviens en arrière. Non mais je sais, mais c'est le jeu qui m'a dit reviens en arrière. Peut-être que... Ah, ou alors il parlait de revient en arrière carrément encore avant. Parce qu'on a dit dans le premier temple, il me semble qu'il y avait un truc à péter avec des bombes. Ah, vous stressez pas pour ma vie, j'ai 2 fées. Hein. Je vois dans le chat. Ah, et puis voilà. Statue d'oiseau, on va sauvegarder, on sait jamais. Si c'est un moine Shaolin, il part pour revenir plus fort. Il ne laisse aucune trace, se cache et s'entraîne pour devenir le roi de Tui. C'est vrai, c'est mon ambition. Devenir roi de Twitch. Et régner sur mes pères. Ah oui, par contre, j'espère que la bombe va rester en haut. Allez, pète! Cache-toi. Oh, bâtard. Je croyais qu'il allait me jeter dans le vide. Non! Ah, mais j'ai pas brandi mon bouclier, mais qui est con? Ah, dans cet épisode-là, c'est pas comme Ocarina of Time, hein. Ah, mais peut-être que je peux... Ah, il sort pas les couilles. Ah, ok. S'en fout. Ah oui, puis si on se rate, en plus, il te met l'uppercut. Donc ça, c'est vraiment un ennemi. Faut pas trop le chercher. Faut bien faire comme il veut. Voilà. Tellement la phobie de mettre mon gros point avec le Joy-Con dans le micro. Y'a rien.
aux côtés de Bezos. Mon ami Jeff, on va faire un tour avec lui dans l'espace. Ouais, c'est ça, il a été dans l'espace, lui. Enfin, je crois qu'il a été... C'est pas tout à fait l'espace. C'est genre très proche, mais pas vraiment. Donc il a un peu bluffé, en fait, le mec. Avec son... quoi, Blue Origin, ou je sais plus. C'est quoi le nom de sa compagnie pour l'aérospatiale. De toute façon, ça va devenir un truc, hein. Avec Elon Musk, SpaceX et tout... Maintenant, on va voir régulièrement des Gugus aller dans l'espace et tout. Moi, franchement, j'aime les sensations fortes. Je pense que... Je m'imagine, hein, parce que ça n'arrivera jamais. Mais si... Descends ou merci. Si jamais je devais aller dans l'espace... Mais je crois que... Enfin, même pas une heure avant... Des jours avant, quand l'échéance arrive, je me chierai, je serai jamais autant chié dessus de toute ma vie, et je me chierai jamais autant dessus, sauf peut-être sur mon lit de mort, quoi. J'adore les parcs d'attraction, j'adore les sensations fortes et tout, mais alors, l'idée que t'es dans un vaisseau spatial, que le truc il va faire un démarrage... propulsé par je sais pas quelle puissance de moteur machin avec le kérosène et tout, enfin, tu sais que tu vas aller à des centaines même des milliers de kilomètres heure. Il a fait l'attraction Buzz l'éclair à Disneyland, c'est quasiment être dans l'espace. Moi je suis le Jeff Bezos de Lidl. Moi j'ai été à Disney, j'ai fait Space Mountain. C'est comme si j'étais dans l'espace. C'est la même sensation. Non, franchement, je pense que le décollage, là, le décompte, je pense que je ferai une syncope, je pense que je tomberai dans les pommes et en fait, je verrai rien de... de toute la traversée. Et peut-être que je me relèverai... quoi, là. Peut-être que je me relèverai une fois arrivé dans l'espace où ça secoue moins. Et c'est psychologique, c'est rien que l'idée de se dire « Oh, bah, mon gars, à partir dans la stratosphère et tout... » 36 à 72 000 km/h. Ouais, ça va. Bon, c'est comme moi sur la nationale 20, quoi. Ça va. Mais qu'est-ce que j'ai eu ici? C'était important? J'ai pas vu. J'ai une clé. Je le demande vraiment, hein. Je sais pas ce que j'ai eu. Parce que je vous parle, je dis des trucs, et après, je reviens. J'ai une tarte aux pommes. Ah... La bonne tarte aux pommes. C'est avec ça qu'on va battre le boss puisqu'il est allergique au gluten. Eh oui, l'intolérance. Bon, je pense que j'ai eu un truc pour aller là. Heureusement qu'il y avait quelque chose. Ah, il y a un petit coffre là-bas, dis donc. Fait-il pas des rubis? Elle est où la boule? Est-ce que je peux passer là? Elle est un pro gamer. Oh là là. Oh là là, je vais t'écraser. Tiens, le petit coffre que j'avais pas vu. S'il faut, c'est un quart de cœur. La carte. Une jolie carte. Ah bah oui, maintenant ça me parle. Il m'a montré la map, mais j'ai pas... Les petits pions, au contraire. Ah, je dis pas non à du minerai, parce que... On n'a pas pu encore crafter de trucs, là, à Célestbourg. Et là, en plus, je vois que mon bouclier, il est en train de prendre cher. Alors qu'il a rien fait, quoi. On va aller chercher les rubis, quand même. Il va falloir économiser pour Terry, là, avec ses prix assassins. Le sale capitaliste. En même temps, quand t'es le seul marchand dans le ciel et que, de toute façon, il n'y a personne d'autre, j'imagine que tu peux poser tes prix, hein. La baguette 20 euros, ouais. Oh merde! C'était où? Ah, c'était de l'autre côté! Comment fais-je? Alors toi déjà, dégage. Toi tu vas mourir. Merci d'être passé. Y'a pas un truc à faire avec les piliers? Pas que je me cogne dedans. Y'a un truc à faire avec ça là. Je le pousse.
Comment je passe ça? Un truc à casser. Ah, attendez, ma map m'indique un truc. Mais qu'il est bon. Souvenir, là j'ai eu un flash. Après le vent de la lave. Yes. Peut-être plus là. Oui. J'étais pas sûr de mon coup. Après des potions pour régénérer tes boucliers. Ouais, mais ça va vite m'emmerder. Donc dès qu'on pourra, on fera de quoi avoir un bouclier qui pète pas. Un peu comme dans Breath of the Wild. Même si le bouclier... Merde, le bouclier ilien, eh ben il pète. Et il met juste un temps infini à péter. À un moment, je faisais du surf avec, comme on peut faire dans Breath of the Wild. Tout à coup, ils me disent « Votre bouclier va bientôt casser. » Et je me suis dit « Ah bah non, c'est un bouclier invincible. » Oh le bâtard. Faire ça juste à côté d'une bombe. Et donc j'étais deg. Mais bon, on peut le récupérer à l'infini, donc à la limite, on s'en fout. Et je pense, je sais pas s'ils vont revenir sur ça. Ça passe ? Ça passe. Je sais pas s'ils vont revenir sur cette histoire de d'armes destructibles, boucliers destructibles et tout. Est-ce qu'ils vont minimiser... Est-ce qu'ils vont minimiser la chose? Parce que ça a quand même fait un petit peu jaser, j'ai l'impression. Les gens ont plus décrié que... Les joueurs ont plus décrié que apprécié, j'imagine, la mécanique. Oh, c'est pas que ça me dérange. Ah, attendez, j'ai envie d'envoyer un éclaireur. C'est pas que ça me dérange. En tout cas, ça m'a moins dérangé pour les armes, mais par contre, ça m'emmerde pour les boucliers. Je sais pas pourquoi. Allons dans la gueule du loup. Oh la vache. Oh la peau du doigté. Oh. C'est un gros. J'ai pas vu. Ah bah si. Oh là là. Pistole bib. Et de sang. Ah, pourtant on dirait qu'il y a... Ah mais non, mais oui, non, mais doit y avoir encore un autre truc à casser, mais sur le chemin avec ça. Non, non, il y a Faye qui veut me dire la soluce. Le mur me paraît suspect. Ah mais non, il y a un petit trou, j'avais pas vu. L'année de Zelda. Oh, Link qui vient de se prendre un marron glacé dans l'œil là. La race ne mérite pas de vivre. Ah, c'est comme ça, c'est les bourses, c'est sélectif. Hein. Faut que tu sois beau ou que tu meurs. Bah, tu me diras, vu la gueule des habitants. Si c'est les bourses appliquées à ses propres villageois la sentence, il resterait plus grand monde. Hein. Même Link, je suis pas sûr qu'il passe. Ah, la petite cordelette. Oh la vache. Heureusement que j'ai des yeux, hein. Mais franchement, elle est pas visible de ouf, hein. Et une. La race ne mérite pas de vivre. Pas sortir de son contexte. Heureusement que Twitch, il détecte pas les mots, hein. Y'a que si vous dites coco dans le chat que ça passe pas. Que t'as peur de ça. Ah non, ah, je sais pas s'il a peur ou si, je sais pas. Oh, le 360. Voilà, ça mérite bien une petite gorgée de tes pêches de vie. Je viens de débarquer, on est dans le temple là, oui. Ah, je pense qu'on a déjà bien avancé. Ah, pardon. Link a fait un AVC, ça arrive. Ça arrive même au meilleur d'entre nous. Pourquoi ils te mettent une sauvegarde là? Attends, mais comment tu montes là en fait? Et là, ils te mettent une sauvegarde. Ah si, t'as une porte. Ah bah si, de là à là. Quel intérêt, pourquoi tu mets pas ta sauvegarde là? Ça sert à rien. Je vais même pas y aller, tiens. Je vais pas respecter le développeur qui s'est dit « Ah, ce serait bien quand même de mettre un point de sauvegarde là. » Mais si, t'inquiète. Pas ça. Yes. Ah, ça c'est du Mario Galaxy comme on l'aime. Même si je pense que c'est archi plus simple.
pour ça que c'est con. Ils auraient dû le faire à la Wiimote. La navigation du boulet. Ou alors ils se sont dit, non, on l'a déjà fait dans Mario Galaxy. On peut pas faire deux fois une bonne idée. Quelqu'un qui s'en souvenait quasi pas, tu le fais easy. Bah en fait, je m'en souviens pas, mais c'est en le faisant que il y a des choses qui reviennent. La map, tout d'un coup j'ai eu un flash d'avoir eu la map et de me dire tiens c'est bizarre parce que je peux pas aller de l'autre côté et ça m'a fait tilt. Je me suis dit ah attends je crois que sur la map il montrait des murs que tu peux casser machin. Donc en fait c'est des réminiscences d'un autre temps quoi. Comme quoi mon cerveau est encore fonctionnel. Il n'a pas perdu toute sa superbe. On est à la moitié. Le temps passe vite. La navigation au mouvement ne rajoute pas une idée à la con qui va faire rager tout le monde, s'il te plaît. Bah, ça a bien marché dans Mario Galaxy, où tout le monde a ragé sauf moi. Je trouve que ça marchait vachement bien. Et en plus, pour le coup, c'était beaucoup plus vif que ça. Hein. Parce que là, on est vraiment en mode pépouze hein, quand on navigue. Hein. Mario Galaxy, faut vraiment faire attention. Ah, mais j'aurais dû pousser l'autre déjà, non? Ah, putain, Nintendo, les rois du confort. On peut passer direct de l'autre. Je croyais que j'allais devoir me retaper tout le tour pour venir là, alors que j'en venais, en plus. Ah non, mais attendez, est-ce qu'il faut que je le fasse? Je suis même pas sûr. On va pas faire... Ah non, c'est bon. Deux pour le prix d'un. Qu'il est bon. En 2011, j'ai mis... heure à capter la fissure, j'ai pas le réflexe d'ouvrir la map. Bah, je pense qu'ils te le disent clairement. Là, c'est moi qui ai raté l'info, mais je pense qu'ils te disent oui, la map. Hein, il pourrait y avoir des choses. Je pense qu'ils te le disent. C'est un peu le jeu du confort, honnêtement. Hein. Si c'est pas toi, c'est Faye qui te l'aurait dit sans que tu le décides. Ah non, j'ai atteint mon max, 600. Comment on fait la méga bourre? Je me souviens plus. Oh là, non. Le trou de crevard. Ça sert à rien de faire un trou pour rien y cacher. Hein. Oh ça. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? J'arriverai jamais en haut. Ah oui, il y a un trou là-bas. Ah, c'est parti. C'est que ça. Regardez ce skill. Défi, ne pas se faire toucher. Ah ouais, y en a plus. Le défi qui n'en est pas un. Je fasse gaffe parce qu'il y a un quart de cœur. Hein. On a acté qu'il y avait au moins un ou deux. Je sais plus combien il y en avait dans le premier temple. Oh, je shortcut là ou... Je brain le jeu. Quel mode easy? Non, sérieux? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Allô? Ah, ou alors il y a un truc caché? C'est le dos. Ah non, mais c'est fini! On n'est pas du tout à la moitié! Attendez, c'est le boss ça? Oh! Il y a juste à aller chercher la clé là? Et à revenir? Oh, ça me parle ça là. Je crois qu'il y a une arnaque là-dedans. Merde. Oh, j'ai tout. Et il sert à quoi cet endroit? Oh, le mur invisible. Je crois t'avoir jamais vu faire un donjon de Zelda aussi rapidement. J'étais quasi à la fin. Ah, c'est pas moi, c'est le donjon qui est daubé. Je me souvenais plus qu'il était si court et si vite fait, quoi. Par contre, ça, j'ai pas compris. Hein. Tu montes. Ça pour rien. En plus, c'est genre, c'est caché. C'est trop tard. C'est l'arbre beau jeu, le bordel. Franchement. Ah. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, j'ai. Excusez-moi, Nintendo, j'ai fait les choses trop vite. Je suis trop intelligent, qu'est-ce que vous voulez? J'avais pas vu, moi, qu'il y avait un truc à casser. Et que donc, il fallait monter là. Utiliser une bombe. Après, faudra qu'on se recharge en bombe d'ailleurs, parce que là. Allez, moi je le sens.
t'en vois là. Regardez. Incroyable. Vous pouvez déjà applaudir dans le chat. Ah, le live a coupé, désolé. Regardez, je vous disais. Je vais rembobiner histoire que vous puissiez le voir. First drive, vous pouvez applaudir déjà. Je me sentais vraiment seul. Il y avait personne qui parlait. J'étais en mode, j'ai fait une blague sur le live qui s'est coupé. Et j'ai vraiment cru à un moment, je me suis dit, attends, s'il faut, ça a vraiment coupé au moment où t'as blagué que ça coupe pour pas montrer que tu t'es foiré. Yes. Même l'arme au jeu est plus long. Bah moi je trouve, hein. Enfin je crois. Après c'est pas fait pareil, mais Mais une fois que c'est fait, ça se recharge. Attendez, bah là. Oh non, bah non. Est-ce que ça se recharge? C'est con. Mais si, mais... Mais Link, non. Attendez, j'ai pas revu de pierre, hein. Non. Ah, y a pas de pierre. Et les cailloux, ils ont popé dessus. C'est passé. Il y a eu un budget polygone là ici ou ça se passe comment? Pas très sexy tout ça là. Alors, on va passer entre deux molaires. Hop là. Ok, très bien. Et mur invisible. On va poster le replay sur YouTube en mode Temple de Skyward Sword World Record 20 minutes. Ah, je pense que c'est un world record hein, à ce niveau-là. Hein. Pour de skill. Par contre, j'ai pas eu de quart de cœur et ça m'embête un peu. Parce que c'est sûr qu'il y en a un. Ah, ça, c'est un peu de gueule. Ça, c'est la clé du boss. C'est quoi cette vieille pièce? Je me suis dit, il y a une arnaque et en fait, c'est juste un chemin pour y aller. S'il y a rien qui se passe quand je pars, c'est ridicule. Non, il va y avoir une boule. Ah, je me disais aussi, non mais Nintendo, là, vous avez vraiment fait vos feignasses. Ouais, j'espère que ce moment de tension, la tension était palpable, et accroché à vos chaises. Attendez, parce que ça marche pas en plus. Il est arrivé à 2 km/h là, il va me dire qu'il a volé jusque là-bas. Qui révise un petit peu les lois de la gravité, hein. Temple Run. Ça fait toujours plaisir de retrouver Billy et la commu après l'avoir connu sur YouTube depuis des années. Hein. Non mais il y a un temple. Mais je vois rien. Vous allez me dire, il n'y a pas de quart de cœur dans celui-là? Ça me t'étonne quand même. Hein. Parce que là, déjà, l'ambiance. Ils se sont dit, ah non, pas de lave, pas de musique. Non, laisse-le dans un gros silence de mort. Avec la voix de Link qui résonne partout. Mais non, mais il y a un quart de cœur. Non? Ils ont même fait l'économie de la musique. Comme si la pièce était trop grande, la console elle pouvait pas supporter. Oh le brouillard! Regardez, en fonction de comment j'oriente la caméra. Ouais, pas plus. Non, il y en a pas, sûr. Ah ouais, ils ont vraiment ce temple là, ils ont pas tapé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est cette non-ambiance? Sérieux? Attention, first try. La photo de Joy-Con. Hein.
passe. Emoji. Eh ben j'espère que vous adorez cette ambiance. Après on me demande pourquoi le... Pourquoi mon Joy-Con drift. C'était le temple du stagiaire. Bah franchement, prenez le deuxième temple de je vois n'importe quel Zelda, genre Ocarina of Time. Bah il y a plus de gueule. Il a plus de gueule dans ses mécaniques, puis même dans, juste dans sa taille. Bon, alors il est pas archi long non plus. Mais ouais, c'est vrai que là, ça fait vraiment chiche, quoi. Heureusement, il se rattrape après avec, avec d'autres. Avec d'autres donjons, mais c'est. Ouais. Déjà, le premier était pas non plus exceptionnel, mais bon, c'est un premier temple. C'est un peu simplet, vas-y, je comprends. Autant là, un deuxième temple, franchement, t'as l'impression qu'ils ont encore moins taffé que le premier. La petite bouboule fait son chemin. Et ça, Jamy, ça s'appelle la digestion. Et cette boule, elle va aller jusque dans le rectum. Moi, Jamy, qu'est-ce que c'est un rectum? Maître, fait au rapport, l'aura de Dame Zeldo est plus roche. La chaîne que vous voyez émet un signal très fort, ça sent le paix ici. La probabilité que Dame Zeldo ait été attachée avec est de 95%. Dame Zeldo a dû trouver un moyen de sortir d'ici et de progresser plus avant. Je recommande de la suivre plus vite. Peut-être que je la suivrai plus vite. Tu arrêtais de me dire. Ah. Ah, attendez, avant que je fasse des conneries, parce que j'avais pas rechargé. J'ai eu un éclair de génie. Bon, c'est un peu craqué vu comme ça, hein, cette capacité, mais... En fait, c'est parce que je suis pas sûr qu'on trouve des choux, enfin des bombes dans les hautes herbes. Ils ont voulu rendre le truc un peu... Merde. Un peu plus cohérent, je pense. Donc résultat, ils ont dit, alors quand tu coupes des herbes, y a pas des bombes qui vont popper. Donc on va en mettre ici et là quand le joueur en aura besoin, et puis ce sera à lui de les mettre dans son sac. T'as absolument tous raison sur Twitter, c'est le donjon le plus banal du jeu. Chose qui arrive, des fois même Nintendo, voilà, il se rate un peu. Regarde les fantômes à glace. Mais dis donc, mais c'est mon tipeur préféré, c'est Gérard. Gérard, j'ai vu que tu avais fait un don Amazon Prime. Comme c'est gentil. Et oui, Fred, le rectum, c'est comme cette maquette. J'ai voulu siffler, mais bon, je peux pas siffler en riant. C'est quoi le défi? J'ai loupé le début du live. C'est que si vous donnez 100 000 rousquilles au grand Bibi, parce qu'il a faim, je ferai un react de la vidéo leçon de cuisine qui date d'il y a de longues années. Et qui est archi cringe pour moi, et je vais pas supporter de la re-regarder, je pense. Mais bon! C'est l'utilité des défis. Alors abonnez-vous. Comme on se retrouve, mon cher Gérard. Quel rustre je fais. Ton nom m'est complètement sorti de la tête. À vrai dire, cela n'a aucune importance. Je suis quelque peu froissé, vois-tu. J'ai vu que tu avais pris un abonnement Prime. Et pas un abonnement de niveau 1. Sais-tu la perte que ça fait, Gérard? Alors que mes sbires viennent de mettre la main sur ma prêtresse, je me rends sur les lieux le cœur léger et caprange. La passion a disparu. Que cette satanée servante de la déesse. Pourquoi faut-il toujours qu'on me mette des bâtons dans les roues? Alors que j'ai besoin de la prêtresse pour appeler mon maître à la vie, il le faut, j'ai besoin de ma carte au jus. Mais je m'emporte. À présent, pourquoi je ne suis. Hein? Ou à présent, pourquoi je ne puis partir d'ici le cœur tranquille? Il me faut plus de dons! Pour Jiraïm, 2000 Rouski. En fait, je n'ai aucune raison de rester calme. Je devrais même plus. Laissez éclater les dons! J'ai presque cru que ça allait être lui, le boss, mais non, 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 je me souviens bien du... Ah, c'était pas le moment de boire. Si, c'est bon, je peux me gorger.
Non, ça va être une araignée en feu moche, là. Ah non, c'est pas une araignée, c'est juste un caillou. Yes. Ah, j'étais pas loin. Ça ressemble à une araignée. C'est moche. Ah, et même le design, hein. Ah, même le design, y a pas... Y a un truc. Alors, c'est quoi le bail? Cadeau. Ça y est, j'ai gagné. Nintendo qui a abandonné même le... Alors, attends. Tiens. Je suis pas sûr que ce soit ça. Hein. Ah, c'est bon, c'est ça. Ah, mais il est beaucoup trop loin. Waouh, c'est intense. Non, en gros, il faut que je reste plutôt à son niveau. Là, on descend. Là, il est pas content. Là, il fait les gros yeux. On lui envoie ça à la Dodongo, parce que toujours pas d'idée. Et là, je vais pouvoir taper. Ah, un œil dégueulasse. Tiens. Là, j'imagine qu'il va s'énerver. Il va me faire la montée totale. On redescend avec lui. C'est un toboggan, le boss. Oh là là. Alors, Dodongo, c'était pas non plus... c'était pas un boss de ouf. Hein. Ils ont vraiment tout gardé. Ils se sont dit, ah, le boss, il était pas ouf du deuxième temple d'Ocarina. Oh non, bâtard. Ah, mais je pensais pas que t'allais le refaire. Il y a juste à se mettre là. Quelle tristesse, ce boss. Attends, je recharge. Oh oui! Je suis désolé si on, si tu pues la merde, t'as qu'à te plaindre à Miyamoto, hein. Moi j'ai rien fait. Mais en plus il y a un garde-fou avec les bombes sur les côtés. S'il monte trop haut, il se fait ken quoi qu'il arrive. Ah, j'ai raté. Oh! Ah, je l'ai eu quand même. On va descendre avec lui. Tiens. Oh là là. Même l'œil il vient pour te faire taper. Ah. Par contre, mais il vient de se faire avoir. Je me rends compte qu'il n'y a rien qui va dans ce boss. Tu peux pas te toucher, t'as juste à te mettre sur le bord et il n'y a rien. Attendez, là il monte, il va se faire toucher par les bombes du haut. Ah non, il suffit que je me mette là, il ne peut rien m'arriver. Là tu lui jettes ça parce que tu sais qu'il va faire ça. Et là le coup fatal. Ah ouais, juste il gigote quoi. Oh. Effectivement, Jiraim il manque de dons là. Hein. T'as pas assez de tips là, il arrive pas à créer des boss. Et je me suis même pas fait toucher. Mon pire ennemi là-dedans, c'était peut-être moi avec les bombes. J'aurais peut-être pu me mettre une bombe dans la gueule. Mais même pas. Ah ouais, c'était pas ouf, hein. Je me souvenais de ce boss, mais je me souvenais pas qu'il était vraiment... Ah, un réceptacle de cœur, mais c'est incroyable. 2, 4, 6, 9. Ou si c'est lui, si lui c'est Juju, alors son maître est Caro. Ah bah peut-être. Hein. Je pourrais pas imiter la Caro, mais... Surtout vu que c'est le maître, ça colle pas du tout. Oh, va falloir que je réfléchisse à c'est quoi la voix du... Non, je dis rien parce que... Il y a des gens, j'ai lu dans le chat, qui n'ont pas joué au jeu. Je découvre avec moi et ça fait bien plaisir de vous apprendre la vie, moi. Oh, mais il y avait 10 milliards de cœurs en plus pour Nintendo, mais vous avez branlé quoi? Et pourquoi vous mettez 10 milliards de cœurs sur un boss qui n'arrive même pas à te toucher? GG Rat.
Jirem dans le temple de la contemplation est plus dur que ce boss. Ah, franchement, largement, parce que t'as moins d'idées sur comment le toucher déjà. Et juste, il est plus long, il est plus technique. Là, c'est vraiment. Te mets sur le côté là, mais vraiment, hein. Y a aucune boule de feu qui te touche. Puis il peut pas te toucher, qui monte, qui descende, qui fasse sa vie. Même si tu te rates, bah tu te mets sur le côté, puis t'attends que ton heure soit venue, quoi. En plus, il y a une salue. Donc, il méritait de mourir, selon la loi de Célestbourg. Ah, ça trash talk le scénario de Skyward Sword dans le chat. Ah, je peux pas encore en parler, mais c'est ça le problème, c'est que... Déjà, tu me dis pas quoi faire. Hein. Si j'ai pas envie d'avancer, bah j'avance pas. Ah, en plus, ça sent le paix. Mais c'est Gérard. Hein. Gérard. Ah, Gérard. Hein. Ah, ça fait des heures qu'on attend de pouvoir la redoubler. Regardez-moi cette bonne tête de cul. Petite musique sympa, par contre, même si on l'entend pas de ouf. Gérard, regarde ma main. Je sais plus, je vais... Non, damsel. Il y a un petit problème de corde vocale. Le temps n'est pas encore venu, et vous le savez. Savez, c'est quoi ça? Le temps est venu de quoi de parler à Gérard? J'ai envie de dire, ça peut être le samedi, le dimanche, au petit déjeuner, quoi. On te parle pas d'appuyer sur le... de lancer l'arme nucléaire. Ah, pas encore. Faut attendre un petit peu. Main plus grande que mon avenir. Ah, sinon, elle dit... Bah, si tu te la manges dans la dent. Gérard. Gérard qui comprend pas. Il est content. La voix de fumeuse de Ocarina of Time, putain, je sais pas. Mais j'allais presque faire une voix un peu. Gérard, pardonne-moi. Je suis obligé de suivre le cours du scénario, sinon ça rime plus à rien. Allez, à dans quatre temples. Gérard! Attention, tu as vu la... Tu arrives bien tard, la soirée d'elfe. Crois-tu vraiment que tu pourras... Premiers indices, hein, on voit qu'elle a les marques Sheka, armes et tout. Ma façon de parler et tout. Des 10 paquets de John Morris chaque jour. Dans mon intervention, dame, c'est lui. Fin de l'aide alors qu'il est. Garde la taille de mes. Pas arrivé à. T'as pas su la. J'ai. Tant de fumée. Paquet de cigares. Dame Zeldo s'est allé à quoi sa destinée. Ça fait un peu secte, hein, dit comme ça. Élu, tu souhaites réellement venir en aide par tes propres moyens. Que tu rencontres. Alors seulement tu pourras être utile. Et là on va commencer à pouvoir. Yeti bug, non c'est ma voix qui bug. Enfin j'espère, ton micro a un gros problème. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien touché. Il bug, mais dans quel sens? Parle plus fort. Mon micro se coupe. Ah non, mais je crois que c'est lui le problème. On m'entend? C'est seulement que tu fais la voix basse. Quand tu parles bas, ça coupe. Et non, les gens, vous fumez quoi, lol?
Ça marche très bien. Bah attendez là, moi je comprends plus là. Il y a deux personnes qui entendent deux choses radicalement différentes, c'est pas moi, hein. C'est vous. Et peut-être la réduction de bruit sur le Yeti. Oh bah là, moi je sais plus. J'ai pas de problème. Salut Pomme Vanille, j'avais même pas vu. Micro coupure, rien de grave sinon. Ah, j'avais l'impression qu'il y avait une hécatombe et qu'il y avait une explosion nucléaire dans mon micro. Ça coupe. Quand tu parles bas, ça coupe. Oh, c'est trop bizarre. Franchement, moi, je comprends plus. Hein. Et ça m'emmerde. Hein. À finir sur internet, je vais faire une folie. On n'en parlera plus. Et après, je mangerai des patates, c'est pas grave. Alors abonnez-vous, les amis. Là, on va pouvoir commencer, donc j'allais dire, à parler du scénario de ce Zelda. Que là, je pense que cette scène, c'était un bon exemple de ce qui est à venir. Bon, on va déjà passer cette scène. Gérard est triste. J'aurais voulu parler à Dame Zeldo. Le scénario l'en a empêché. Être, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. De quoi tu me parles? Je vais vous traduire leur message. Ah oui, d'accord, je croyais qu'ils me sortaient un truc hors contexte, là. Ah, c'est reparti! Candeloro! Des abîmes du temps nous guideront celui que la déesse aura d'une mission investie. Mais attends, c'était pas le même truc qu'il m'a dit au premier ? La source de la terre, la prêtresse a quitté pour prendre enfin la route vers sa grande destinée. Tellement improbable de l'avoir perdu du skate là. Dans l'ocre de l'anel, l'enfant au grand destin passe la porte du temps vers un monde lointain. C'est un alexandrin, abbé, abbé. Ah oui, Ah, mais c'est fou, parce que c'est la troisième partie du truc, le tourbillon de l'enfer. La troisième partie de la stèle, donc, de Célestbourg. Et ce qui est ouf, c'est que... Ah, messieurs, dames, ça y est, quoi, c'est le dernier environnement. Et ça, c'est bien triste. Vous avez obtenu la stèle ambre. Oh, une petite odeur de paix, là. Gérard, désolé, c'est moi qui ai pété. Ah, ok. Oh, cette gueule de cul! Oh, la vache! Et quand tu fais le jeu, tu vois bien que ton expression, elle ressemble à rien. Chaud? Oui, c'est pas une pierre saphir, mais oui, en plus, les cons, ils ont fait émeraude et ils ont fait rubis. Après, ils disent, oh, ambre, je sais pas. J'ai oublié ce que c'était le saphir Zora. On va dire que c'était ça. Attendez quelqu'un. C'est parce que votre unique mission, à part être con, c'est vraiment d'attendre qu'une seule personne, Link, passe là. Et si je passe plus par là, vous n'avez plus de raison d'être. C'est quand même triste. Aigné, mon courroux. C'est bien, ils sont disciplinés, ils ont bien attendu. Il va finir par dire, maître Zelda se casse sans cesse, c'est pénible. Non mais, le bleu a jauni un peu. Alors regardons, admirons un petit peu, tiens. Bon alors c'est un peu laid maintenant avec tout ça, est-ce que je peux mettre rien? Ah oui, attendez. Juste ça. On va admirer un petit peu. Ça là. La lave. Oh ouais, vaut mieux éviter de regarder de loin en fait. Hein. Oh là là, quelle tristesse ce paysage. Surtout de se dire qu'en fait, c'est vraiment un des Zelda les moins ouverts. Parce que même Ocarina of Time, t'as quand même la plaine centrale qui est assez grande. Et qui est un espèce de hub qui te permet après d'aller au château...
chez les Gorons, village Cocorico, chez les Aura, enfin ça te permet de te répartir partout. Oh non, ma bourse est pleine, merci Faye. Parce que je suis pas vu Zelda depuis longtemps. Et là, en gros, l'environnement, c'est juste, voilà, vous voyez les rochers là que je pointe, bah, voilà. C'est ça, ça monte jusque là. Et voilà, ça c'est un environnement complet. Et au-delà, bah voilà, bah oui, c'est des textures pas très belles. Ouais, c'est laid, quoi. Regardez là les arbres, c'est de la 2D. Le problème, c'est que là, on est placé sur le côté, donc on les voit à peine. Parce que c'est quand même con. Ah non, en vrai, c'est pas beau. Hein. Même avec la HD, même avec un écran qui rend maintenant, enfin une version qui devrait lui rendre honneur, en fait, ils ont pas réussi. Hein. C'est juste pas beau. Voilà, la gueule des rochers, les textures aplaties dessus. Donc ouais, c'est vraiment un des Zelda les plus petits en termes d'environnement. C'est vraiment petit, quoi. Alors après, on peut aimer le côté un peu labyrinthe, un peu épreuve avant le donjon, quoi. Je sais que mon ami Théox beaucoup cette composante dans ce Zelda. Mais bah, je trouve que résultat, yes, je me fais manger. Résultat, je trouve qu'il n'y a pas de... Comment dire? Ouais, il n'y a pas de sensation d'exploration, il n'y a pas de découvrir des environnements, des machins, des choses. Non, ça fait très jeu vidéo, en fait. Hop là. Ça fait très jeu vidéo et résultat, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu plus de mal, que j'ai eu un peu plus de mal à l'époque à me mettre dedans. Vraiment, c'est tout petit et c'est pas permissif du tout, quoi. Puis il n'y a pas de raison d'explorer, en fait. À part pécho t'es quelques quarts de cœur et tout, balade pas là-dedans pour le plaisir, quoi. Bombe là-dedans et que ça pète. Ouais, enfin, je sais pas. C'est pas... Ah, mais je peux remonter avec les piafs, de toute façon. Retourner dans le ciel. C'est moche. On dirait un niveau de Mario 64. Bah, c'est un peu ça, dans l'idée. C'est un peu ça. C'est vraiment trop moche quand tu passes de Zelda Breath of the Wild à ça, ça pique les yeux. Ah merde, attendez, on m'a mis dans le ciel. Bah tiens, on va rester comme ça puis on va attendre. Je vais vous lire en attendant. Tu vas augmenter ta bourse chez Terry. Ah bah faut qu'on y aille parce que je pense pas qu'il m'en demandera plus que ma bourse. En gros la plaine d'Ocarina, c'est un ciel tout vide. En gros la plaine d'Ocarina là, c'est un ciel tout vide. La rue. Oui, enfin bref, c'est ça, ouais. Ah, on s'est perdu. Horreur absolue en un environnement. C'est des décors en carton. Les remakes, ils ont rien amélioré. Ils auraient pu le donner à Grezzo. Ah, Grezzo, je sais pas trop sur quoi ils sont, ouais. Moi, ce que j'ai adoré, justement, dans Breath of the Wild, c'est vraiment l'exploration. Alors, je sais que, justement, mon ami Theox est passé complètement à côté de Breath of the Wild. Il l'a torché en 40 heures. Il a fait qu'une seule partie, il l'a terminé. Et quand il nous a montré, vous savez, sur sa map, son tracé et tout, il a vraiment été au point essentiel de A à Z, quoi. Il n'a pas cherché à découvrir le jeu ou à se balader et tout, alors que moi, j'ai passé... Rien que le temple du prélude, j'ai passé plus de 5 heures dessus, quoi. Le plateau du prélude, je veux dire. J'ai passé 5 heures dessus et je prenais un pied monstre à me balader dans le jeu et... Non, je veux chute libre, s'il vous plaît. Et j'ai fait ça pour tout Breath of the Wild. Vraiment, tous les environnements, j'ai découvert, je voulais découvrir les secrets. Juste me faire des beaux panoramas, vivre le truc.
Donc j'ai vraiment, c'est pour ça que aussi que j'ai genre 170 ou 180 heures en une seule partie. Encore, je sais que y en a qui ont 500 heures en une partie. Moi j'ai pas fait les Korogu. J'en ai 500 je crois. Et après j'ai arrêté. Mais c'est déjà énorme juste pour une partie d'un Zelda. Et ça montre à quel point vraiment moi j'ai plongé dedans et j'ai kiffé. Et là ça me manque quoi dans un jeu comme ça. Dans Ocarina of Time ou Majora's Mask, il y a quand même un grand environnement, etc. Il y a quand même des choses à voir, des choses plaisantes. Là, dans celui-là, se balader, c'est vraiment pas une option, quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, c'est un des trucs qui m'a rebuté, en tout cas. Explorer chaque centimètre de Breath of the Wild. Regrette d'avoir regardé les vidéos YouTube de Breath of the Wild avant d'y jouer, j'ai rien découvert. Ah ouais, non, ça, je l'ai... Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé avec Twilight Princess à l'époque. J'en ai beaucoup trop regardé, j'avais même vu le boss de fin, quoi. Parce que le jeu est sorti un mois... pas un mois, mais je crois 2-3 semaines avant en Amérique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La toile a été inondée de vidéos de Twilight Princess et je me suis spoil comme un sac. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de trop me renseigner sur les jeux. Et même les Zelda, hein, Breath of the Wild. Bon, en même temps, Nintendo en a très peu montré. Et ça a été quelque chose de bien. Parce qu'au moins, si tu l'achetais Day One, tu découvrais la majorité du jeu, les petits twists, etc. Et c'est trop bien. Mais même Skyward Sword, je me souviens, je m'étais dit, non, tu refais pas deux fois la même connerie. J'ai vu le premier trailer. En fait, j'ai regardé ses présentations. Donc juste à l'E3, quand ils montraient un trailer, je regardais. Mais je regardais pas d'autres vidéos à côté, je me renseignais pas sur le jeu. J'ai pas regardé de vidéos autres. Et résultat, je suis arrivé sur le jeu assez frais. Bon, malheureusement, voilà. M'a pas aidé à plus l'apprécier, mais... Au moins... Oula, Link, ton épée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Il a l'épée... Il avait un petit bug du poignet, là. Un petit spasme, ça doit être les restes de l'AVC, ça. Le spoil, c'est mal. Ah, petite gambette. Ça, c'est pas mal fait, mine de rien. Gambette sur le piédestal. Moi, franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de ne pas spoiler les jeux. Vraiment, le minimum syndical. Parce que moi, parmi mes plus belles découvertes, c'est des jeux que je n'attendais pas. Donc, je me suis zéro renseigné dessus. Et un jour, je sais pas, j'en entends parler, puis je me dis, tiens, ça c'est peut-être bien. Et je le découvre vraiment de A à Z. Découvert un jeu sur Xbox, là, c'est Procession to Calvary. C'est un espèce de point and click dans un style tableau, vraiment, genre de la Renaissance et tout. C'était archi drôle, et je connaissais rien du jeu, j'ai vu le titre, j'ai vu Benzaï le recommander, je me suis dit tiens c'est dans le Game Pass, j'ai téléchargé, et je l'ai découvert vraiment, limite j'avais même pas vu une seule image du jeu quoi. Et j'ai pris un pied monstre, et j'ai tout découvert de A à Z, et franchement c'était génial, et ça m'a fait ça pour plusieurs jeux, d'en découvrir des jeux que j'attendais pas vraiment, et dans lesquels je me suis lancé comme ça un peu au pif, et au final ça s'avère vraiment, quand tu découvres par toi-même, pas vraiment un autre impact qu'un jeu par exemple comme Smash Bros Brawl ou Smash Bros Wii U et tout là, et où tous les jours t'avais un item, un personnage, un machin pendant des décennies, des machins, enfin tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, 2 ans avant le lancement du jeu, on te bazardait, on te fait tiens mange mes infos, mange mes images, mange mes trailers, mange mes vidéos. Et au bout d'un moment, en fait, le jeu, il arrive que t'as un peu l'impression d'y avoir déjà joué 50 heures. Et forcément, t'as pas le même ressenti. Ça m'a fait ça pour Yakuza 7. C'est un peu pareil. Moi, je connaissais pas du tout la série Yakuza. C'est toi qui m'en disais beaucoup de bien. Et en prenant la Xbox, y avait toute la série sur le Game Pass. Alors moi, je me suis dit, bon, je vais essayer le 7, là, le dernier. Et donc j'ai découvert la série, je ne m'étais jamais intéressé, j'ai jamais regardé une vidéo, j'entendais de loin que ça existait. Et résultat, j'ai pris un kiff monstrueux pendant, 80 heures sur Yakuza 7. Et j'ai... Top quoi, vraiment au top. Donc je sais que des fois, on a envie de se renseigner sur un jeu qu'on attend et tout, c'est normal. Même moi, j'aimerais en voir plus de Breath of the Wild 2. Mais en même temps, je me dis que garder le secret,
Et bah, c'est aussi un moyen, voilà, d'attiser la curiosité, d'intriguer les joueurs, et de découvrir après par soi-même. Parce que là, par exemple, pour la suite de Breath of the Wild, Nintendo a dit, et je pense qu'il voulait montrer le titre du jeu dans le second trailer, même si c'est un teaser. Parce qu'à la fin, le plan sur le château d'Hyrule est quand même archi long. Et ils ont dit après coup qu'ils n'ont pas dévoilé le titre du jeu parce que le titre du jeu vend la mèche sur, j'imagine, le gros twist qu'il y aura dans le jeu. Et ben moi, j'aimerais presque, même si j'ai envie de savoir, me dire, bah écoute, ok, jusqu'à la sortie du jeu, je sais pas c'est quoi le truc. Alors bien sûr, ça va être compliqué de pas se faire spoiler le titre du jeu, parce que je veux dire, sur la boîte, c'est quand tu, même sur l'eShop, quand tu vas l'acheter. Donc, ne pas se spoiler jusque-là, c'est quand même complexe. Mais j'aimerais bien qu'ils gardent un peu de mystère et un peu de, bah tiens, vous découvrirez en jouant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, le marketing, il faut parler du jeu, il faut donner envie, il faut en montrer pour, voilà, essayer d'attirer le plus. Et on a, enfin, même les développeurs ont tendance à trop en montrer. Parce qu'ils ont peur peut-être que sinon, le jeu n'aura pas le même impact. Presque avec Breath of the Wild 2, je pense qu'on n'aura pas autant de plaisir à découvrir la plaine comme pour le 1. Je pense qu'il y aura un peu de magie en moins car on connaît déjà des choses mine de rien. Ennemi, environnement, ce sera pas comme un nouveau Zelda. Oui, bah ça c'est... Je pense que Nintendo est conscient de ça. Après, ça veut pas dire que ce sera mauvais parce que... Le contre-exemple parfait, c'est Majora's Mask. Alors pas pour tout le monde. Mais Majora's Mask, pour moi, c'est un coup de maître alors qu'il reprend tous les personnages de Ocarina of Time. Il reprend tous les ennemis. Il reprend les assets, les graphismes, les machins. Eh ben on va reprendre tout ça, on va touiller dans une potion là, et puis on va en sortir autre chose. Le gros doute sur la suite de Breath of the Wild, c'est vraiment l'univers, effectivement, parce que, comme toi, je me vois pas me retaper toute la map du 1. J'aurais pas... Bah déjà, je l'ai déjà découverte, j'ai déjà passé des dizaines et plus d'une centaine d'heures. Donc j'aurais pas le même plaisir à la redécouvrir si jamais ils ont vraiment très peu changé. Mais je fais confiance à Nintendo parce qu'il y a quand même un gros temps de développement et je me dis que ils vont pas tomber dans cette facilité et ils savent que sinon ça va râler quoi. Ah, je n'y avais pas pensé à ça pour le titre du 2. Ah si si, hein, ils ont clairement dit qu'ils voulaient pas pour l'instant le dire parce que ça en disait trop. Donc je pense qu'ils connaissent le titre du jeu. Si le titre spoil trop, il faut tout simplement changer pour moi. Ah, c'est pas évident, ouais. Bah, prenons Ocarina of Time. On fait un petit interlude blabla, mais bon, c'est ça aussi, hein. On est sur un Zelda, on peut parler un peu de la série et tout. Ocarina of Time, par exemple. Bah, c'est le titre du jeu. Alors, c'est sûr que si on revient sur les premiers Zelda, genre Zelda 2, l'aventure de Link, bon, bah là, au moins, là, au moins, ils sont pas mouillés. Après, Zelda 3, A Link to the Past, donc un lien vers le passé... Ça évoque quelque chose sans non plus forcément te dire que tu vas retourner dans un passé, etc. Ocarina of Time, pareil, l'Ocarina du Temps. Bon, alors bien sûr, tu t'imagines l'Ocarina du Temps, bon, bah ça va sûrement parler du temps, quoi. On va faire une rétrospective des titres de la série. Mais, pareil, est-ce que tu t'imagines... Bon, alors, le jeu l'a vendu avant qu'il sorte, hein, que de toute façon, il y allait avoir deux époques, un Link adulte, un Link enfant, donc... Le titre, voilà, était un peu... on le savait déjà. Majora's Mask, voilà, le masque de Majora. Très bien, spoil que dalle. The Wind Waker, le... Ah merde, comment qu'on traduit ? C'est très peu traductible en français sans que ce soit très moche. Merci Enzo d'être passé, à la prochaine. Non, c'est pas la baguette du vent, non. Waker, c'est Wake, c'est réveillé. Se réveiller. Éveilleur du vent. Bah, à traduire littéralement, c'est caca. En gros, c'est pour... ouais, l'éveil du vent, c'est sûr que ça sonne bien, mais c'est pas exactement ce que c'est censé retranscrire.
L'éveilleur du vent. Ouais, c'est ça, mais c'est pas très beau dit comme ça, mais bon. Parfois, on peut pas traduire littéralement. Hein. Il faut contourner un peu. Je pense que l'éveil du vent, c'est ce qui aurait le mieux collé. Ça aurait été moins dégueulasse. Ah là, pareil, ça en dit pas long, parce que l'éveilleur du vent, l'éveil du vent... Bon, bah, il y aura un truc avec le vent. Au final, c'est juste pour la voile, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a rien de spé. T'es pas le héros du vent ou je sais pas quoi. Twilight Princess, bon, la princesse du crépuscule. Bon. Ah, pareil, ça spoilait pas de ouf, hein. Bah, à part qu'il y avait une princesse du crépuscule. Et qu'on comprend sûrement très vite que Midna, elle a quelque chose à voir là-dedans, aussi. Skyward Sword, l'épée vers le ciel. Bon, là, pareil, ça spoilait pas grand-chose. En fait, les titres des Zelda ont jamais été trop... trop spoilants, mine de rien. Et Breath of the Wild, bon, alors lui, pour le coup, c'était plus un titre... C'était pas tant pour parler d'un truc qu'il allait y avoir dans le jeu, enfin, du scénario. C'était plus pour parler, voilà, de cette map gigantesque et tout. Breath of the Wild, l'haleine de la nature. Non, le souffle de la nature, la respiration de la nature. Enfin bref, dans l'idée, c'est un truc comme ça. C'était plus pour justement dire, les gars, on a créé un monde gigantesque à découvrir. Il fait quoi. Donc là, s'ils veulent pas donner le titre de la suite par peur de spoiler, c'est peut-être que ça va être un titre qui va être peut-être un peu plus explicite que... que ça ne l'était avant. Oh, ce masque est effrayant. Ah, peut-être pas jusqu'à dire effrayant, mais oui, il est un peu creepy. Et si on mettait notre stèle maintenant qu'on a bien parlé? Oh, c'est un gros morceau, ça. Plaquette d'ombre. Après, ça fait sens que ce soit pas Saphir, parce que vu que c'est un désert... Oh, je spoil. Vu que c'est un désert, voilà, c'est jaune, donc ils ont dit, c'est quoi les pierres jaunes de l'ambre? Ouais, vas-y, viens, mets ça. Et voilà. C'est le dernier. On aura vu tous les environnements après ça. The Legend of Zelda Ganon's Return. La non-finesse du titre. Le titre, ça va être The Death of... Ils veulent pas spoil le titre, car ça sera Breath of the Wild Only on Switch Pro. Oh, bah décidément. Ah. Et après, on se demande. Maître Gérard, je confirme qu'une troisième colonne de lumière est apparue au sud-ouest. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres. Une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Mais je suis prêt, Zeldo. Feuille. Fayo, je l'ai appelé Fayo. Rehydrated Ganon. J'avoue qu'il est un peu sec. Hein. Bon, on sait même pas si c'est Ganon, hein. S'il faut, ça n'a rien à voir. Mais clairement, je pense qu'on s'oriente encore vers quelque chose avec le temps. Je pense. Hein. Parce que c'est vrai que le design de Link est trop particulier. Et surtout, il y a l'air d'y avoir un Link normal avec sa tunique, sans le bras un peu chelou. Et puis t'as un autre Link aux cheveux effectivement plus longs, avec des habits un peu plus... tribal, c'est peut-être pas le mot, mais... un peu plus exotique, un peu plus vieux, on va dire. Et dès que c'est lui, ça se passe dans le Hyrule un peu morcelé dans les airs. Et puis on nous... Est-ce que ça va avoir un lien avec... vous savez, dans le premier épisode, on vous parle... Tiens, on va aller voir Terry. On nous parle de la légende, etc. Le héros, face à Ganon et tout. Et c'est vrai qu'il me semble que ça ressemble un petit peu le design qu'on a vu de Link avec les cheveux détachés et tout. Et oui, je veux utiliser... Oh, j'ai presque cru. Oui. Oh, pire endroit. Non, c'est bon. J'ai cru que ça allait arriver en haut du toit. Oula, mais Terry, mais comment veux-tu? Ah si, c'est bon. Donc je pense qu'il va y avoir un truc avec le temps, parce que pareil,
C'est vrai que, ça c'est dans des analyses que j'ai lues et tout, mais c'est vrai que les musiques qu'on nous a présentées jusque-là, il y a toujours une part de musique reverse, jouée à l'envers. Il y a cette fameuse goutte. Bah, pareil, qui ne tombe pas, mais qui remonte. Et qui fait que Link peut passer sur les plateformes là qui sont dans le ciel et tout. Ça, voilà, je pense qu'on peut, on peut se douter qu'il y aura quelque chose à voir encore avec le temps. Est-ce que ça va être deux époques? Est-ce que ça, on va jouer aussi le héros de l'ancien temps? Est-ce qu'il va y avoir une dualité comme ça avec le Ganon, pareil, etc. C'est possible. J'aimerais ta grosse bourse, Terry. Oh, ça, c'est une bourse annexe, c'est super utile. Et tu pourras transporter 300 rubis supplémentaires. Ma bourse est pleine, je peux pas ramasser ce rubis doré. Bah oui, hein. De toute façon, ça sert à rien que je ne l'achète pas, parce que sinon, je vais être bloqué à 600 rubis comme un demeuré. Thank you. Génial, tu vas voir, tu le regretteras. Ah, c'est fini. Oh, une pancarte de rupture de stock. par contre, il m'a appris... C'était que 100. Ah, mais c'était... La médaille insecte. Oui, les insectes. C'est cher, ouais, c'est ça. Oui, c'est l'item où il dit que c'est cher. Et ça, je crois que c'est 800. Ouais, 800 rubis. Et par contre, j'ai peut-être assez pour me prendre ça, j'avais oublié. Je le voyais même pas tellement il ressort pas. Une poche supplémentaire. Vas-y, je vais la prendre. De toute façon, à part chez Terry, je crois qu'il n'y a pas grand chose à acheter dans ce jeu. Hein. Qu'on se le dise. Sacoche d'aventurier. J'imagine qu'on pourra encore en avoir deux. Thank you. Et merci Terry. Vous êtes bien aimable, mon brave. Allez, continuez de pédaler. Deux époques, ça veut dire deux fois plus de Korogu. Vous imaginez? Alors cette fois, il y aura 1800 Korogu. Bah ouais, parce qu'il y a les deux. Bah Bibi, tu auras des petits bouts de zone en plus après. Ah oui, non, oui, je sais qu'après les environnements s'écartent un peu, mais bon, ouais, on me la fait pas. Hein. Quand le 2 sort, je pose une semaine de congé direct. Ah bah ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir le doser. Hein. De dormir chez Terry. Ouais, pas de lit. Oh, c'est un lit! Ah, oh, la banquette! Oh la vache, sur de la machinerie en plus. Un vieux tapis daubé. Ah mais attendez, si je dors jusqu'à la nuit, en étant chez lui, on va être directement dans... Ah, chez lui? Incroyable! Bah oui! Oh, mais ça c'est un super shortcut entre son île à lui et... Quand tu dors, j'ai pas vu. Ah non, c'est peut-être mon portable, non? Non, je pense pas. Incroyable. Ah ouais, ce shortcut. Oh, des lucioles. Je crois que j'en ai déjà, mais... Ah non, j'en ai déjà. Ah, mais j'avais même pas... C'est ouvert ou pas? Oh non, quelle tristesse. Je sais même pas si on a... Est-ce qu'on a des coffres? Celui-là, ça veut dire que c'est bon? 1, 2, 3. J'en aurais fait 3. On va aller chercher. Ah! Parle-moi. Oh! Oh, tu es... Du coup, j'ai dû pédaler comme un câble forcené. Piou! Dis que j'ai un gros cul. Où suis-je? Et chez moi, je m'arrête toujours ici la nuit. Y a pas grand chose à faire, mais on peut s'y reposer tranquillement. Ah bah, si tu veux te plaindre. Mais j'ai pas vu, on voyait ses tétons, je vais être ban Twitch. Si Estrie ne vole pas la nuit, alors je te ramènerai avec moi demain matin. Si tu veux retourner à CSBO, repose-toi donc un peu sur mon lit. Comment je m'exprime différemment, dis-tu? Je ne trouve pas. Mais ce détail n'a que peu d'importance maintenant, n'est-ce pas? Je regarde. Mais je m'en fous de toi! Ah, c'est. Je crois que c'était une bûche. Tu t'es fait un petit gâteau. Et il y a une espèce de scarabée dedans.
Ban Twitch. Ban Twitch. Qui t'es-t-on? Y'a pas l'arrêt du plombier. Prendre du feu. Oh, on peut pas prendre du feu. Faut aller dedans. Et c'est tout? Oh, cet insecte t'intéresse? Il s'agit d'une espèce rare, le Golopha Demonicus Rex. Combien le plus précieux. On pourrait le contempler des journées entières. Parler en fait. Oh. Est-ce que je peux te l'emprunter? C'est pour la science. Oh, un truc de gratitude. Bon, je monte. Ça, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a la quête des trucs de gratitude. Mais comment? Ah, si. Je dois y aller par moi-même, mais... Allez. Et vers l'infini, l'au-delà. C'est con quand même qu'on puisse même pas naviguer dans la nuit. On peut pas naviguer dans le ciel la nuit. Pourquoi? Je ne saurais vous le dire. Sûrement parce qu'ils ont rien prévu la nuit dans l'univers du jeu. Donc ils se sont dit, bon, bonne. Tomber. Ah, si je tombe, en fait, c'est des gardes qui vont me récupérer. Enfin, gardes qui ont que ça à foutre de leur journée. Bah, allons dormir. Quand ils sont violets sur la map du ciel, c'est qu'ils sont pas encore ouverts. Ouais, mais c'est que je les ai débloqués. Bah oui, parce que de toute façon, sinon, on verrait celui qu'il y a sur l'île de Terry. Je peux pas faire le game over dans les flammes à la Twilight Princess. Un grand moment. Petite musique. Ah mais attendez, il y a une bourse. C'est pas fini. Oh, bourse annexe. 300 rubis en plus. Ah, pour cent, bah, autant douiller maintenant. Hein. C'est honteux. Il y a une théorie sur YouTube très intéressante sur Breath of the Wild 1 qui parle du peuple disparu qui, je pense, aura son importance dans le 2. C'est même sur le YouTuber qui a fait la théorie, Ring. Je connais pas. Mais je crois, c'est l'endroit un peu exotique, là, avec les palmiers et tout. Il y a des structures et tout, et tout le monde a fait tout un truc là-dessus, en mode « Ah oui, c'est un peuple disparu, blablabla. » Après, peut-être, hein, mais j'ai pas eu l'impression qu'il donnait tant d'importance à cet environnement-là pour se dire « Ah, attends, dans la suite, on va utiliser... » Je sais pas. Si tu sors sans rien acheter de chez Terry, il se passe un truc. Bah, c'est ce qu'on avait fait la première fois, non? On l'avait déjà fait, de toute façon, d'y aller sans... Regarde, je vais y aller, je vais revenir. Ouais, des rubis. Alors, je viens, je sors. Voilà. C'est rien passé de ce fait. Attends, est-ce que je peux... Oui! Oh, c'est quoi ça? Il y a un truc dedans. Un easter egg? Oh! En tout cas, j'ai pas pu le prendre. Un bouquet de fleurs. Je peux pas aller là-dedans. Tant pis. Tant pis pour les fleurs. On va aller voir si on peut pas se crafter un truc là. Allons au petit marché de Celesbourg. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu là, ça fait plaisir. Ah merde! Lui parler et rien acheter. Peut-être pour plus tard le nid. Ah ok. Alors vous m'intéressez pas. Toi tu m'intéresses. Peut-être que c'est ici l'atelier. Améliorer. Est-ce qu'on peut améliorer un item? Ah, je peux améliorer le bouclier. Normal à solide. Renfort qui améliore la durabilité du bouclier. Ce qui est rigolo, c'est que ça change un peu le design. Là, vous avez vu, il y a juste deux côtés en fer et deux en bois. Et là, t'as côté intégral en fer. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est marrant. Par contre, je sais pas si c'est bien utile de le faire. Plus que 16 000 rouski, et c'est parti pour la leçon de cuisine. Je vais faire un défi à 2 millions de rouski où c'est... je fais un nouvel épisode de leçon de cuisine. Que je trouverais cringe dans 10 ans.
Et on refait un Harlem Shake. Alors que tout le monde a oublié ce que c'est. Ah. Oh. Je sais pas, je vais voir d'abord le reste c'est quoi. Rafale. Ah oui, ça on avait vu. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Pas ça, j'ai pas ça. Ça, au moins c'est fait. Et alors là, j'ai rien. Très bien. J'ai plus grand. Ouais, j'ai envie de faire ça. Quitte à claquer tous ces rubis. Bon, ça, je peux pas. Ah oui, non, c'est là. Oh, je te préviens, les modifications sont définitives. Si c'est une amélioration, ça me dérange pas que ce soit définitif, mais allons-y. Ok. Regarde, deux coups de tournevis dans le bouclier. Et on est bon. Ah, quel bon bluffeur quand même. J'ai même pas pris mon bouclier. Non, c'est prêt. Le bouclier a été amélioré en bouclier en fer solide. Plus résistant qu'un bouclier en fer classique. Allez, sois pas timide, tu veux améliorer autre chose? C'est pas moi qui suis timide, mais ça commence à être ma bourse. Hein. J'ai plus que 56 rubis, là, où je sais plus. 62. Ah, notre futur chéri, en devenir. Je pensais que le peuple disparu, c'est en rapport avec les statues des déserts Gerudo. Oh, il l'a dit, vous êtes témoin. C'est pas parce que je dis que je fais, hein. J'ai pas de parole, moi, hein. Noté. Je veux un nouvel épisode. Go le son de cuisine 2 avec tes choux de Bruxelles. C'est moi s'il y a des recettes VG dans le jeu. Bonne question. Mais je sais même pas si je l'ai encore, le son de cuisine. Pour moi, je l'ai pas vendu, donc techniquement, je l'ai peut-être encore, hein. Ça sert à rien d'améliorer ce bouclier. Yes. C'est pas l'un des premiers personnages noirs de Zelda. Attends, je réfléchis. Ah, c'est les Gerudo, quoi, qui avaient un teint un peu plus basané après noir. Ah, effectivement, c'est possible, hein. C'est vrai que c'est pas une couleur de peau qui court les rues dans Zelda. Zelda, c'est un bon monde whitewash, comme on dit. Mais parlons à notre chéri. Bonjour et bienvenue à la consigne. Oh. Ah, c'est nouveau ? Je crois pas qu'on s'était arrêté là-dessus. Salut, bienvenue. Tu es différente, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Que se passe-t-il ou tu es différente ? Salut TV Papoute, Maître Nicolas. Ça au moins c'est un pseudo, t'as pas besoin de rajouter des chiffres, hein. Personne l'a pris. Ça fait longtemps que je suis pas venu sur le live de Zelda. J'ai revu la vidéo et le Harlem Shake. Ça fait mal, hein, Trix. Imagine ce que ça va faire à moi, le créateur de la vidéo. Faisons un portage de leçons de cuisine HD sur Switch. C'est vraiment un truc sur lequel Nintendo n'a jamais capitalisé. Hein. Alors peut-être que ça s'est pas vendu. Mais leçons de cuisine, ils ont fait un épisode et après, ils ont lâché la cuisine. Ils se sont dit, ouais, bon, en fait, c'est pas pour nous. Peut-être qu'il y en avait un dans Wind Waker. Ça me parle pas, hein. Noir, hein, on parle, hein. Pas juste un peu bronzé. Hein. Dark Link, oui. Oui, forcément. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Tu es différente, tu es différente. Que se passe-t-il de différent ? Je suis connaisseur, j'ai dû mettre 6 chiffres pour mon pseudo. Ah bah oui, Master, là, c'est sûr que t'allais pas être le seul à y avoir pensé, hein. Tu es différente. Tout le monde veut tu es différente, bah dis donc, vous accordez vos violons. Ah mais non, je dis des conneries, tout le monde a dit que se passe-t-il au début. Que se passe-t-il, que se passe-t-il, que... Pour l'instant, il y a plus de que se passe-t-il, hein. C'est plus pour surfer sur la mode des hiboux. Comme pour le jeu DS sans livre classique. Ah ouais, il y avait ça. Oh la vache. Ah, ils ont vraiment tenté, hein. Les gars, ils se sont dit, putain, attends, en fait, on peut tout faire sur la DS. Il y a même eu des jeux pour exercer tes yeux. Genre, pour muscler tes yeux, faire des mouvements, faire des trucs.
Ils ont vraiment tout. Alors, c'est pas forcément Nintendo, hein, tous les logiciels. Mais ils ont vu la brèche, les mecs, ils sont rentrés dedans avec un camion Ben. Ils ont tout essayé. Mais que se passe-t-il? Non, rien. Tout va très bien. En tout cas, ce n'est pas du tout parce que je suis très heureuse de te voir. Oh, mais tu es mignon. Elle me fait penser un peu à Helga dans Hey Arnold. Helga ou Olga? Tueur, j'ai besoin de toi. J'ai oublié mon Arnold. Un dessin animé qui ne parlera plus aux plus jeunes. Helga Pataki, putain, mais Arthur, il a même le nom de famille, s'il te plaît. C'est ouf. Je vais un peu penser à Helga. Elle a pas le gros mono sourcil, mais... Gym des yeux, voilà. Il se dit, ah vas-y, je vais acheter Gym des yeux, moi. Dans Let's Play, quand Navi te dit, c'est BBTM noir, et que tu dis, c'est ma version africaine, je sais pas si ça passerait cette blague aujourd'hui. Bah, je trouve... C'est pas raciste de dire ça. Si? Je sais pas. Mon coach personnel, j'arrête de fumer. C'est vrai, il y a eu ça. La gymnastique des yeux, c'était vraiment les derniers jeux DS que je voyais en sol dans magasin. Ah ouais, non, mais ça, il y en avait des tonnes dans les bacs. Bah, parce que ça marchait pas. Il y avait même un truc sur les mathématiques. Ils ont tout fait. Apprendre le français, machin. Et le problème, c'est que je pense qu'il n'y a que Kawashima qui a vraiment réussi. Alors, attends, énorme. Il y a Twitch qui a censuré le mot violon. Ah, c'est raciste! Tu as dit violon! C'est raciste envers les autres instruments. Moque de la DS. Pour rappel, il y a la calculatrice payante sur Switch. Ah non, mais je dis pas que c'est mieux aujourd'hui. Hein. Olga, c'était sa sœur, je crois. Ah, elle avait une sœur? Putain, je m'en souviens même pas. J'ai pas la ref. C'est vieux, et Arnold, hein. C'est incollable sur DS quand tu reçois ça, Noël, ça à Noël, le feu. Pour moi, c'est pas raciste du tout, mais vu les gens de Twitter, des fois... Ah bah c'est sûr que maintenant, faut bien peser ses mots avant de les lancer, hein, parce que des fois, dans ta tête, ça sonne normal, et en les disant, tu te dis... Oh, c'est bizarre. Mais ouais, c'est une insulte, les instruments de musique. Vous traitez pas de violon au pluriel, hein, parce que... Ouh. Je suis un terroriste, j'ose dire violon en public. Non mais c'est fou, pourquoi violon? Ah, parce que le viol! Oh mais je l'avais pas, hein. Je vous jure que j'ai dû y réfléchir. Je comprenais pas pourquoi violon, c'était out of la picture, quoi. C'est à cause du terme viol. Un violon à la deuxième personne du pluriel, quoi. Enfin, à première personne du pluriel, nous violons. Oh la vache, putain, mais ils vont chercher loin quand même, hein. Oh. Comment tu fais quand un mot a plusieurs sens? Par contre, ne le dis pas trop, hein. Si, imagine, je veux faire un stream sur les violons. Alors, voici un violoncelle des années 40. Voici un... Et ils vont me ban parce que j'ai apologie au viol? Il y a vraiment des trucs comme ça? Ou genre, tu dis des mots sur Twitch? Et au bout d'un moment, l'algorithme et tout, il se dit... Ok. Ah, s'il y a ça, franchement, ça par contre, c'est un truc sur Twitch, ça me hérisse les poils. Hein. Stream sur les vieux. Je suis sûr que ça existe, il y a bien des streams de pianistes et tout. Et bien un mec qui doit montrer sa collection de violons. Pas avec l'algo de Twitch. Bon, la pauvre, on l'écoute même pas parler alors qu'elle nous avoue son amour. Mais c'est vrai qu'on se voit tellement souvent qu'on pourrait penser que notre relation évolue. Tu n'es plus un simple client pour moi. Et genre, elle te dit ça de but en blanc parce que t'es allé la voir trois fois. Oh, enfin, mais qu'est-ce que je raconte? Pardon, je suis désolé. Oublie ce que je viens de te dire, tu veux bien? Bon, je me remets au travail, tu veux déposer quelque chose? Déposer mon épée dans ton fourreau. Est-ce qu'il y a encore autre chose?
Pensez pour tous les cyclistes sur Twitch qui doivent faire target par, par l'algorithme. Pourquoi ? Les cyclistes ? Sur Twitch, il y a des streams de meufs à poil qui se font pas bannir par contre. Ah, je sais que ça fait des années hein, qu'il y a... Non, c'est tout ? Eh, ça y est, c'est la fin ? Ah non, merci. Eh oh, pourquoi tu viens me voir si tu n'as rien à me donner ? Wink wink. Bienvenue, ça fait plaisir de te voir. Je peux garder tes affaires si tu veux, t'as envie de faire de la place dans ta sacoche. Est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce que tu me proposes quelque chose ? Alors fais comme chez toi. Elle a l'air plus enjouée en tout cas. Mais non, parce que vous m'avez dit qu'il fallait aller voir son père. Donc c'est que c'est pas fini, parce que moi son père il m'a jamais rien dit. J'ai rien à te poser. Pas que je veux pas. Allez, je te pose un truc, mais c'est juste pour rire. Est-ce que c'est payant ? Je te donne ma bouteille. Merci bien. Je peux prendre ma bouteille. Très utile. Ah, la bouteille, c'est ici, mais pas là. Ah bah non, c'est des endroits que j'ai pas encore, c'est pour ça. Bye. Il y a trois belles bourses de Terry. Non, c'est pas fini. Ah, c'est con parce que je sais même pas si c'est une quête qui se finit sur quelque chose. Parce que je l'ai jamais fait ça à l'époque. Et j'aime bien ce genre de petits trucs. C'est tout bête. C'est juste. Et en plus, bah tu vois, tu peux passer à côté tellement facilement. Mais ça donne un peu de grain à moudre au personnage. Ça me fait penser à un personnage de Majora's Mask, par exemple. Il y a quelque chose, il y a une petite évolution. Et franchement, moi j'aime bien ce genre de petites bêtises. Y a pas besoin d'aller voir son père sauf si tu l'arcales. Ah, on peut l'arcaler ? Comment on fait ? Ah non, mais ça veut dire que vraiment, on va évoluer. Attendez, mais je veux la suite de cette aventure romanesque. Est-ce qu'il faut que je retourne dormir dans son lit ? À faire ça. Au pire, ça nous fera peut-être des trucs de gratitude. Et au mieux, on ne dormira pas seul, c'est ça. Ah non, mais c'est pas là, je crois. Je me suis planté. Non, je vois où c'est. C'est à côté du pont. Ah, puis dès qu'on a l'item pour faire le ménage chez l'autre, on fait. Hein. Oh, 85 000 rouskis, mais merde, je pensais vraiment pas que ça irait aussi vite. En fait, j'ai dit à Cinéa, après, j'ai dit, j'ai un doute. Si ça part trop vite, j'aurais peut-être dû faire en premier juste un react aux unboxings ou à d'autres vidéos. Et amener après la vidéo leçon de cuisine. Mais bon, tant pis. Ce sera ma punition. Oh, on aura presque les 100 000 avant la fin du stream. Ça, c'est chez elle. Je vais dormir dans son lit, hein, maintenant qu'on est... On est presque mari et femme. À mon avis, ils s'appuient sur quoi les cyclistes pour faire leur... rouler leur vélo. Ah, tu pédales. N'importe quoi. Ah non, je cherchais avec cycliste, je me disais cycliste. Hello ? Je voyais pas. Ah oui, pédale, oui, c'est sûr que ça aussi. Oui, la nuit, il y a de la gratitude, c'est bien. C'est une métaphore, ça aussi. Préfère faire la quête du magasin plutôt que les donjons. Bah franchement, je préfère faire cette quête-là que le deuxième donjon qu'on vient de faire. Hein. Franchement, je trouve ça mieux. Au moins, il y a du scénario, il y a du rebondissement, il y a de l'amour. C'est un vrai film. Salut Bibi, comment vas-tu ? Bah je vais très bien, Mimi Lucha, Mimi Luca, Mimi Lucha, Mimi Lucha. Et toi donc, zombie. Oh, bonsoir, tu es venu me voir chez moi pour me voir. Ah mais oui, ça a bien évolué. Donc c'est juste en fait dans le temps, il fallait que je finisse le deuxième environnement pour que le truc me permette d'aller plus loin. T'as pas l'intention de me faire une déclaration quand même ? Regarde un petit air nostalgique. Elle est envieuse. Putain, mais cette trogne. Moi bien, petit gars. Faire copain. Ah ! Ah, mais non, ça on l'avait déjà vu. Je croyais que c'était nouveau, mais non. Bon, je me permets de redormir dans ton lit, il est confortable. Et je retourne te voir au magasin.
MG Bibi, grosse idée de réaction. Merde, putain, le truc il paraît. Au best-of de Gamer Barbare. Ah, c'est vrai que mater des best-of, pourquoi pas, parce que ce serait un condensé d'une aventure, parce que si on va, je vais pas réagir à mes let's play, quoi, c'est ridicule. J'adore cette musique, trop contente qu'elle sonne en plusieurs jeux. Ah, la musique des maisons. Ah, c'est, ouais, c'est Ocarina of Time hein, qu'il a introduite, celle-là. Le front du daron. Ah bah, lui, il a tout donné. Hein. Il a un gros cerveau. Qui dort les bras et les pieds en étoile, il s'écrit à la piscine. Le daron a le style boss du donjon. Son t-shirt trop court, c'est moche de ouf. Ah bah, vous l'aviez pas vu, vous étiez pas là pour les lives précédents. Parce qu'on l'avait déjà vu, lui, hein, le d'Artagnan du pauvre. C'est le maître des bambous. Allez, retournons voir notre destinée. Ce Dame Zeldo, c'est bien mignon, mais à part me fuir... Ah oui, j'avais pas parlé au final du... Enfin, commencer à parler du scénario de ce jeu. Ah, bienvenue, ça fait plaisir de te voir. Regardez tes... Oh, c'est tout. Ah, c'est fini. Ça veut dire qu'il faut que j'attende, ça y est, c'est terminé. Faut que je fasse le troisième environnement. Le sound effect, hein. Oh, quelle tristesse! On avait bien pu faire avancer là dans le deuxième stream. Ou le premier, je sais même plus. Oh putain, il y a le creepy qui peut. Emma de loin là. Quête, t'as une quête? Nouvel arrivage aujourd'hui, rien que pour toi. Observe bien la qualité de ce petit sac de bombes. Un pur joyau. J'en ai déjà. Ah, c'est peut-être pour augmenter. Et ici. Sac de bombes, tu peux y stocker 5 bombes supplémentaires. L'accessoire indispensable pour satisfaire toutes tes pulsions destructrices. Aucun problème, j'ai de nombreux autres articles en rayon. C'est quoi ça? Un petit sac de graines. 100 rubis. Oh. Ça coûte cher vos trucs, hein. Des primes. Papounet. Ok, bon bah écoutez, dommage. Je pourrais pas aller plus loin dans cette quête pour l'instant. Encore un environnement et Gérard ne sera plus seul. La tronche de ce PNJ. Pepperly. Dire le vendeur de masques. Oui, c'est ce que j'ai dit dans les streams précédents. J'ai dit qu'il me faisait penser un peu dans la dégaine, dans les expressions. Enfin, vraiment la surexpression du visage au vendeur de masques. De Majora's Mask et d'Ocarina of Time. Ah, mais je suis un peu triste. Ah, j'espérais que la quête qu'il y ait un peu plus. Alors, je sais pas s'il y a des quêtes là dans le village à faire. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? On peut pas avoir le démon le jour. Hein. J'ai un peu de cristaux de gratitude, j'en ai combien? 18. Alors, c'est sûrement pas du tout assez, mais peut-être que ça fait quelque chose. Bon, écoutez, on ira le voir une prochaine fois quand on reviendra à Célestbourg. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de quêtes. De toute façon, je pense pas que ce jeu en ait énormément non plus. Hein. Ah, on peut peut-être retourner voir la citrouille. Et aussi, elle est pécho les coffres. Ok, des trucs intéressants. Oh, il y en a un qui est archi loin. Est-ce qu'il a fini son île roulette, lui? Ça, c'est marrant. Ah non, ça, c'est le trou. Oh putain, tu me diras, tous les coffres ils sont à l'ouest. Vas-y. On va déjà aller chercher celui qui est tout à droite. Un peu plus loin que la tour. Non, on va voir à la limite si le jeu, si son jeu il est fini à lui. Oh, il y a un oiseau là-bas. C'est beau. Je suis depuis ta première vidéo d'unboxing la 3DS Zelda. Ah bah tu vois, je me souvenais même plus c'était laquelle la première que j'avais faite. C'était la 3DS XL ou si c'était... Bon, t'as fini ou c'est bon? Ou si c'était la Zelda. Youpi! Par ici, mon petit gars, je parie que tu demandes ce que je fais ici. Oui. Et c'est toujours pas fini? Oh, mais il a... Oh là là! Mais les mecs, en plus, ils te proposent une île. Et c'est qu'à la moitié du jeu que tu vas pouvoir en faire quelque chose.
Il y a des paliers pour le démon, oui. Ah, donc ce serait peut-être intéressant qu'on y aille. Enfin, qu'on le voit. Que 18 cristaux de gratitude, quand même, je me dis, bon, c'est pas si dégueulasse que ça. Deux coffres. Alors, si on pouvait se refaire en rubis. Est-ce que si j'achète le truc à l'autre, ça va me faire encore 10 graines en plus? Ah, mais ça donne des petits items, c'est pas dégueulasse, ça. Il n'y a vraiment que ça comme il. Ah oui, c'est vrai. Si Link il parle les pieds le premier, il ne peut pas appeler son célestrier. Pourquoi? Bonne question. C'est pas la bonne posture. En vrai, je crois qu'il y a plein de quêtes dans le jeu, mais surtout pour les étoiles. Là, pour le démon. Ah, de toute façon, ta récompense, c'est ça. C'est les étoiles... Enfin, les cristaux de gratitude pour le démon. Donc j'imagine que les quêtes secondaires, majoritairement, en fait, c'est fait pour la quête du démon. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de quêtes que ça. Hein. Pas convaincu. Parce que ce jeu, il se finit assez rapidement. Enfin, assez rapidement. C'est pas un Zelda archi-long non plus. Ma première partie, honnêtement, j'ai dû la finir en 35... Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'es bourré ou quoi? Il va finir en 35-40 heures par là. Allez, donnez vos rouskis, putain, il en reste plus que 10 000 avant le react. Le son de cuisine. Ah, je dis pas qu'on le fera forcément pendant ce live, hein, parce que, en plus, la vidéo... Je sais pas combien de temps elle dure, mais je pense qu'elle est un petit peu longue. C'est scripté, lui. Je peux pas encore lancer la roulette. Ah oui, bah, je me doute bien, hein, que c'est scripté, c'est pas... C'est pas en allant le voir que ça avance. Et je me demande pourquoi ils te permettent pas. Ou alors c'est que tu peux faire trop de gains avec son jeu et ils veulent pas que tu y accèdes dès le début. En vrai, même la musique du ciel, je la trouve pas particulièrement ouf. Puis ton avis sur la prononciation de Gerudo dans le doublage de Breath of the Wild. Écoutez les amis. Si Nintendo France n'arrive pas à savoir que G et E en France ça fait jeu, je vous dise, c'est pas les aventures de Gérard, le Célestbourien, c'est les aventures de Gérard. Bon bah voilà, et bah Gerudo c'est pareil, il n'y a pas de U. Donc moi en bon François, déjà à l'époque, dans Ocarina of Time, j'avais 8 ans, et ben je disais Gerudo, que je savais, la maîtresse qui me l'a dit. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens disent Gerudo de base, hein. C'est moi qui... Voilà. C'est moi qui suis différent. Il y a bien qui disent Ganon. Moi, je dis Ganon, au moins. Il y en a même qui disent premier degré Pokémon, hein. Qu'on se le dise. Ah. Oh, tu vois la gamin. Et tu tombes à pic, j'ai un autre travail pour toi. De nous aider à récolter avec la récolte des citrouilles et que je t'entende pas rouspéter, fils de. Ça devrait pas te poser trop de problèmes, tu vois les plants de citrouilles dont Tyrone s'occupe là-bas. Et je voudrais que tu ranges tes citrouilles dans l'abri. Va voir Tyrone, elle va t'expliquer. N'oublie pas, tu peux ramasser les citrouilles qu'en journée. On sait jamais ce qui pourrait arriver quand il fait sombre. Interdit de vivre la nuit. Elle est où là-bas? C'est où Tyrone? Oh, mais c'est ici qu'ils dorment avec leur petit lit citron. Mignon. Elle est où? Dehors, en fait. Moi, je le prononce Janon. Le pire nom. Janonde. Ah oui, c'est vrai, t'es une des rares nanas mignonnes du jeu. Hey, dis-moi comment draguer la minette. Ah désolé, minette, c'est peut-être moi qui dis... Ah, on dit pas cocotte, et là je dis minette. Bonjour mademoiselle, et vous êtes bien aimable et vous avez un beau tablier. Hi. Ah, tu es là pour m'aider à la récolte de citrouilles? Tu dois bien admettre que je suis soulagé. As-tu seulement idée du poids que ça pèse une citrouille? Je m'ai posé la question.
Comment ça, c'est léger comme une plume ? Gérard, très premier degré. Pas du tout dans la finesse. Ah, je vois. Si on pimentait un peu les choses dans ce cas, voyons si tu es capable de porter 5 citrouilles à la fois. Un conseil au passage. Vas-y doucement si tu ne veux pas les faire tomber. C'est parti, citrouille droit devant. Pas le temps. Allez, au travail. 5 en même temps ? Ah, ça va être une épreuve de ça. Belle demoiselle. Tu dois les porter jusqu'à l'abri. Tu peux les porter tout à la fois, n'oublie pas une chose, marche très lentement. Si elle penche à droite, avance vers la droite. Si elle penche à gauche, avance vers la gauche. Merci Miyamoto, t'inquiète, je connais le concept d'équilibre. Sinon je marcherai un peu comme un trou duc dans la rue. Mais pas de panique, surtout elles tomberont forcément si tu vas trop vite, c'est tout. Bonne chance. Est-ce que je t'en ai assez exposé? Alors, c'est même pas une question de détection de mouvement. On va se mettre... Là, il faut que j'aille à gauche pour les maintenir. Ah là, je suis à gauche. Ça va m'énerver, hein. C'est où? C'est là-bas, hein. Link, tu veux pas? Mais attendez. Mais recale-toi. Et comment tu veux que j'avance? Si j'avance, c'est vers la gauche. Et pourquoi il peut pas tourner, ce con? Et tourne-toi. Sinon, il faut que je troll, faut que j'attende que... Attendez. Comment se fait-ce? Ah. Allez, pas que je cours. Mais non, mais Link, il vise dans une direction où je dois aller à gauche. Mais si je vais à gauche, bah mes citrouilles, elles penchent que dans un sens. Et pour que je les fasse dépencher, faut que j'aille dans... Bah, à l'opposé. Donc au final, je peux jamais m'avancer. Trop con. Et on les fait rouler là comme les bombes, ça marcherait très bien. C'est quoi ces citrouilles en... Ces citrouilles, c'est des ballons en fait remplis d'eau. Bah... Je veux dire, je t'envoie une citrouille dans la tête, c'est pas la citrouille qui va casser, hein. Les gens qui tombent sous ce live vont exploser sur Twitter. Them exposed. Oui, au travail, mais est-ce que je peux marcher très très lentement? Merveilleux! Oui, non, mais ouais, j'ai... Réexplique-moi tout bien. Mais je veux bien... Regarde, j'ai pas bougé que ça bouge déjà. Alors, je veux bien que j'allais trop vite, ok. Mais le problème, c'est là! Je suis obligé d'aller en vers la gauche, mais je peux pas, parce que sinon les citrouilles, bah... Ou alors il faut... Mais c'est trop con! Mais comment veux-tu? Quoi? Mais je peux pas aller là-bas! C'est à gauche! C'est débilus! Putain, pourquoi il peut pas bouger de direction, Link? Mais je vais me retrouver tout à droite si ça continue! Mais je peux pas! Mais c'est trop nul! Alors faut faire par à coup. Là ça revient, là je fais... Ah oui, c'est comme ça. Ah ouais, ok, il faut comprendre la physique des citrouilles. Elle est un peu particulière. Oh putain. Le pro de la citrouille. Matez-moi ça les amis. En fait c'était peut-être tombé... Oh, quoi que ça t'arrive. C'est peut-être tombé parce que je me suis pris le mur. Eh, c'est bon. Parfait. Non mais oh. Mais non, mais dans le concept, il te demande d'aller à... Ouais, ouais. Bon, bref. Tu as réussi, j'en étais sûr. Très bien, je te laisse tranquille avec mes citrouilles à présent. Merci de tout cœur. Donne-moi de la gratitude. Imaginez dans la rue si on réclamait de la gratitude. De gratitude. Pistolet. C'est bon, j'ai réussi. Excellent gamin, on a fini avec la récolte de citrouilles. Porter 5 citrouilles 10 mètres plus loin. Yes. Laisse-moi me dire que tu n'as toujours pas remboursé mon joli lustre. T'es même plutôt loin du compte. Je vais réfléchir à ce que je pourrais encore te faire faire. Reviens me voir plus tard. On va tenter l'astuce de sortir et re-rentrer. On verra si ça marche. Peut-être que j'ai le droit déjà à la suite de la quête. J'espère qu'il y aura beaucoup de gratitude après tout ça.
Ah là là, coup dur. Très lentement. Bien joué, mais oui, un peu de GG, ça fait du bien pour Gérard. Gratitudons-nous derrière cet arbre là. Je parlais de première dose. Dehors démon. Que se passe-t-il? Vous voulez qu'on parle du Covid et des vaccins? Vous voulez que je débunk ce que le gouvernement ne veut pas que vous sachiez? Ah attendez, j'ai des coffres. Ah bah remarque, on va retourner voir Tranche Bambou là. Et donc si on trash talk sa fille, si... Mais je vois pas comment on peut la trash talk. Ah si, mais peut-être à la suite du truc, à la fin, on peut lui dire oui ou non. Ouais, j'y crois pas. Attends, c'est lequel le plus proche? Peut-être lui avant quand même. Je pense pas qu'on puisse vraiment aller au bout de l'histoire, parce que c'est Nintendo, c'est prude, c'est... Ah, c'est très puritain. Ah non, pas bisous, ah non. Non, on restera sur un flou artistique, peut-être, mais on sait pas. On laisse libre cours à l'imagination. Moi, je trouve que, voilà, c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas instaurer des petits trucs un peu relationnels dans un Zelda? Regardez la ville dans Breath of the Wild qu'on construit de nos mains. Une des meilleures quêtes du jeu, d'ailleurs. De toute façon, il y a peu de quêtes secondaires. On va dire c'est pas la grande force de Breath of the Wild. Bon, même cette quête, elle est un peu bateau, hein. C'est juste raser toute la forêt d'Hyrule pour avoir du bois et pouvoir... pouvoir donner les matériaux et eux ils créent le village. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de voir le village se construire et tout, et à la fin tu dis ah c'est mon village de zéro, en plus il s'appelle je crois, parce qu'on le fabrique de zéro. Oh bah putain, heureusement que j'avais les bombes. Et je me dis pourquoi pas dans ce village, bah on aurait pu avoir une maison, même si on en a une au village des limites. Et pourquoi on pourrait pas, ouais, je sais pas, avoir une compagne qui resterait à la maison faire la cuisine. Non, ne me... Hein ? Oh putain, Nintendo m'a puni. Oh, mais d'où ? Pas d'accord. Il me disait que j'avais un coffre. Ah, Nintendo a puni ma blague. Mais c'était une blague, Nintendo ? T'aimes bien? Attends, ou alors il y en a un deuxième. Et genre en dessous, je sais pas trop. Ah, il y en a un autre. On ne me la fait pas. Tu passes. Oh, ça passe? Non, ça passe. Essayez. Ah, il faut peut-être se laisser. Ouais, ok, c'est bon, j'ai. On y retourne. Et non, mais c'est parce qu'apparemment j'ai fait une blague un peu comme ça dans la vidéo leçon de cuisine. Ça va être un moment cringe ça aussi, hein. À vivre ensemble. C'est bon, je vais devoir faire un disclaimer. Notre époque... Ah non, mais ça, en fait, pas du tout. On va éviter de tomber dans le ciel comme un con. C'est une autre époque, Hergé était encore vivant. Comment je passe là, moi? Oula, oula, calme-toi, Link. Je peux même pas monter, je suis obligé de sauter, d'aller sur mon célestrier, de remonter sur le truc du dessus. Parce que peut-être qu'il y a des lianes, mais derrière. C'est curieux là, les deux pierres avec le truc en pierre. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oula. C'est aventureux. Oh là là, ah bah ça y est. Ah oh, 100 000 rouskis de levée. Ils ont réussi. Je serai pour la prochaine fois que si jamais je veux mettre un défi un peu, voilà, eh ben il faut que je mette 1 million de rouskis, quoi. Et même là, je pense que ce sera atteint en pas si longtemps, quoi. 500 encore? Ah bah moi, je vois lever 100K, hein. À commencer. Remarque, ils disent pas que c'est fini. Ah, encore 500. Ah, vous êtes en pénurie, c'est la dèche. Regardez-moi, pourtant, sur mon compte, il y a marqué rouski infini. Si je voulais, je pourrais les investir, mais j'ai la flemme. J'ai obtenu la médaille trésor. Avec elle, les trésors apparaîtront plus fréquemment. Indispensable pour la chasse au trésor. Alors, plus cryptique que ça. Ah, ça y est!
J'ai vu la banderole, c'est le 100%, les confettis, incroyable. Eh ben, je pensais pas que ce serait fait en un live. Je pensais vraiment pas. Champomie, mais buvons. À la santé des 100 000 rousquilles, à la santé de Gérard, c'est pour toi. En plus, là, il est juste tiède, avec ce petit arrière-goût de miel. On est bien. On gagne quoi en récompense? Ma gratitude éternelle. Moi, je vous paye en passion, moi. Je vous paye en gratitude. Ça vous suffit pas? Oh. Je vais pas vous payer non plus. Allez, vidéo, champion du monde. Dans son de cuisine en fin de live. Ah, oh, vous êtes sérieux? Vous voulez qu'on le fasse en fin de live, là? Harlem Shake. Oh là là, je commence à cringer rien qu'à lire ça. Ah. Est-ce que j'irai avec tout seul ou est-ce que ou est-ce que je repousse au live de demain pour que Cinéa soit là pour react en même temps que moi? Parce qu'elle était dans la vidéo. Donc ce serait drôle de cringe à deux, quoi. Et pas qu'à deux, parce que je sais que vous aussi. J'ai pas compris cette médaille trésor. Vous avez obtenu la médaille trésor. Avec elle, les trésors apparaîtront plus fréquemment. Mais quel trésor? Il n'y a pas des coffres qui vont popper dans la nature? Ah non, ce qu'ils appellent trésor. Mais oui, mais putain, regarde le médaillon aussi, Bibi. Tu vois un maillet, une scie, machin. En fait, c'est pour améliorer. En gros, il y aura... T'auras plus de minerais, peut-être, de trucs que les ennemis laissent derrière eux et tout. Je pense que c'est ça. On peut faire des sondages sur Twitch. Je découvre. Hein. Attendez, je vais... J'ai le micro. J'ai pas mis à recharger le Mac. Et là, il me dit 8%. Donc, je me dis... Ah! Très bien. Faisons comme ça. Et ouais, bah, c'est elle qui m'a fait le thé. Et bah, même ramener ma tasse Zelda. Et vous savez, quand on met un liquide chaud dedans, il y a tous les artworks de Wind Waker qui s'affichent. J'ai même pas fait honneur parce que c'était plus simple pour moi de boire là-dedans plutôt que de transvaser d'en foutre partout. Demain, les cadeaux des monstres. Ouais, je pense que c'est plus ça. Cinéa, demain avec Cinéa, on se marre à plusieurs, elle est au courant au moins. Non, elle est pas au courant. Bah, elle est au courant que j'ai fait ce défi. Après, elle était pas au courant, peut-être qu'elle allait réagir en même temps que moi. Enfin, avec moi. Déjà, faut que je vois si ça lui va. Hein. Parce que demain, c'est un live. C'est un live plus. Plus chill. Et vu qu'on a fait du Pokémon, on a fait du Zelda, on fera, je pense, un petit live blabla machin. Très bien, une médaille de monstre. Une médaille de trésor. Oui, je prends. Oh, je suis obligé de remonter parce qu'il voudra pas sauter avec les lières. Incroyable. Pourquoi pas aujourd'hui et demain? Vous voulez m'infliger cette vidéo deux fois? Demain, elle va se réveiller, tu vas lui dire. Tiens, on va regarder en live ce soir. Alors, je l'appelle peut-être pas Cinéa hein, dans le cadre du privé, mais. Imaginez, après. Merde, je suis en train de calculer. Après plus de 11 ans de couple. Eh, Cinéa, oui, Bibi. Attendez, mais ça charge pas, là. On les rentre dedans. Voilà. Ça, c'est fait. On va aller voir Mister Bambou. Partie de la vidéo fin de live et une partie demain avec Cinéa. En fait, vous avez juste envie que je la regarde. Je vous sens impatient. Pour une fois, j'ai décidé de m'endormir tôt car entretien d'embauche demain. Je viens de finir ma nuit. Ah, la nuit n'a pas duré longtemps. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Tu veux des tips pour ton entretien?
Déjà, dis bonjour monsieur si c'est un monsieur, bonjour madame si c'est une dame. Merci de me recevoir au sein de votre entreprise. Excellente entreprise d'ailleurs. Leader dans son domaine. Je sais pas quel domaine, mais elle est leader. Les entreprises sont toujours leaders. Demande 4000 euros net. Ça, ça passe toujours. Tu peux. Ah, juste derrière. Une fois que t'as donné ton salaire, tu drops Mike. Merci, au revoir. Et puis, ils te rappellent et ils disent « Ah, s'il vous plaît, venez travailler vite. » Un rubis doré. Oh, 300 rubis, exceptionnel. Mieux vaut garder sa peau. Non, je vais le ramener à la police parce que c'est pas à moi. Parlons à Padré. Allez, regarde-la deux fois. Bande de mazo. Personne ne... Cette musique... Je fais les courgettes comme ça dans le son de cuisine. Rate le nez. Tu repasses un peu ta coupe. Hop là. Une belle césarienne, madame. On dirait Gérard. Allez, vas-y, on va se refaire un petit bambou. Oula, oula, calme-toi. 28. Bon, par contre, j'ai toujours pas de nouvelle arme, donc je suis pas sûr que je vais faire aussi bien. Hein. Mais bon, on va essayer. Allez. Oui. Oh, j'ai fait 28. Comment se fait-ce? Pourtant, là, j'étais pas mal. Ah oh bah remarque, c'est bénéfique, hein. Si j'en donne 10, je prends 30 même en faisant un truc pas ouf. Voilà, profitez de tous les bons tips du Bibi pour toucher 4K par mois. Bah écoutez, la vie est simple. C'est vous qui la rendez compliquée. Bien chillax la musique, effectivement. Oh, tu la connaissais pas, Tutur? Elle est archi bien, cette musique. Essaye de faire 20 morceaux. Ah putain, j'ai régressé. Je sais, une épée plus longue, mais c'est pas ma faute si c'est l'épée de légende, mon gros. Déjà, tu trash talk pas. Tu respectes. Je hais cette musique, sympa, mais pas ouf. Mais quoi? Qu'est-ce que vous racontez, vous, là? Ça arrive. Oh! Oui! Moi, j'ai fait plus de 20. Sympa, mais pas ouf. À deux doigts du ban, hein. Deux doigts du ban, moi je le dis. Moi je dis les choses comme elles sont. Dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Belle démonstration. Ah, cristal maléfique. Ah putain, c'est ce qu'il nous fallait pour un... Pour une amélioration, dis donc. Ah, c'est rentable de faire ce mini-jeu, hein, pour avoir des matériaux et des trucs. Elle rentrerait parfaitement dans les lives 24/7 Lofi. Ah bah oui, mais c'est clairement une musique un peu comme ça. Elle est assez répétitive. Mais justement, elle a un beat qui se renouvelle bien. Et comme je disais, bah vu que t'étais peut-être pas là, je l'ai jamais entendu dans toutes mes parties de Skyward Sword de l'époque. J'ai jamais découvert cette île en fait. Donc un des premiers objectifs dans cette aventure en stream, c'était de découvrir cette île et de pouvoir entendre la musique là où elle était censée être jouée. Pas sur une vieille OST YouTube, quoi. Je crois que c'est bon, hein, on a fait tous les coffres. Écoutez, n'attendons pas plus. De toute façon, il n'y a rien à faire dans le ciel, hein. On est d'accord. On va aller découvrir un petit peu le désert. Ah, même c'est les bourgs, hein. Bah, pourtant, moi, les catanex, je veux bien en faire, hein, mais... Il n'y en a pas des masses, hein. Coucou, comment ça va? Bah ça va bien, Sarah le scarabée, et toi-même? Pour moi, la meilleure musique, c'est le deuxième environnement du désert, plus tard dans l'aventure. Oui, c'est vrai que les musiques de l'environnement du désert, elle est plutôt cool. Vous êtes durs, là. Les pires musiques du jeu. Oh là là, bon, après les goûts et les couleurs, on peut pas tous avoir bon goût. Le bâtard. Faut accepter, voilà, que des gens trouvent le caca délicieux.
Ça. Salut Ryan Uchiha. Et bienvenue. C'est ta première fois sur le chat, ne t'en fais pas. On ne mord pas, on est même sympathique parfois. Maître Gérard fait au rapport, nous sommes arrivés dans les mines de l'Anel. Les gros machins, ça fait penser au masque de Midna un peu. Mine de l'Anel. Une mine. Ce jeu a des musiques magnifiques. Mais je suis plutôt d'accord que Skyward Sword a des bonnes musiques. Elles sont pas marquantes dans le sens de musiques cultes comme un village Cocorico ou autre. Mais c'est vraiment des bonnes musiques d'ambiance. Et je trouve que le désert, cet environnement a particulièrement des bonnes musiques. Si, merci. Il est probable que Dame Zelda soit arrivée dans cette zone. En même temps, la terre, c'est le volcan, la forêt et ton désert là. Au-delà ? Non, non, y'a rien. Non, non, c'est du ciel, mais sur la terre. Oh, j'ai bien fait de regarder. Oh, mais attendez, il y a même un coffre. Bon, j'y vais. Ah oui, ok. Bon, bah, c'est grappin. Donc, c'est pas pour tout de suite. Par contre, ça... Y'a un grillon ou c'est moi ? C'est quoi ce vieux bruit, là ? Oh oui, y'a un grillon ! Ah, on peut entendre le chant des cigales. C'est le sud ou quoi ? Oui. Le designer sonore, je sais pas, c'est peut-être Jean-Michel Bruitage. Si les grillons ils faisaient un bruit comme ça, franchement, j'irais pas dans le sud. Hein. J'irais un grille-pain qui galère un peu. Là, il fait un bruit bizarre. En fait, pas, ça va bien se passer. Oui. Cigale des sables. Insecte de beurre caché sous la terre à l'état larvaire pendant plus de 10 ans. Je leur demande de la patience. Oh, ça va, j'ai 5 secondes. Tire un rasoir électrique. Ah, c'est ça, c'est Jean-Michel Bruitage. Il s'est dit, merde, le bruit de la cigale. C'était le matin. Il dit, oh putain, attends, je prends mon iPhone, je prends mon rasoir. Vas-y, ça passe. De toute façon, personne va vérifier le bruit de la cigale. Allez. Je sais pas si c'est bien intéressant ce qu'il y a là-dedans, mais... Pas là pour une... Pas là pour rien. Ah, ou sinon, imaginez que ce soit un flux d'air pour monter. Il y a clairement les trucs pour... Il y a clairement les trucs pour le grappin, donc... J'habite à côté de Marseille, je connais, t'inquiète. T'inquiète, elle peut cher. Pardonnez-moi mon... Mes caricatures. C'est normal que mes oreilles saignent quand le secteur. Ah, c'est une petite sauvegarde parce que je crois que j'ai pas sauvegardé depuis le temple. Et ce serait pas la première fois, franchement. La Switch, elle m'a fait quand même pas mal de freeze. Hein. Alors ça dépend, je pense que c'est plus logiciel, je pense que c'est plus certains jeux qui ont des petites failles. Et des fois, c'est le cliché. De quoi ? Ah, ça y est, vous avez eu mon... Vous avez eu ma caricature. Et c'est pas une caricature, hein. C'est vraiment comme ça. Oh, bonne merde. Et qu'est-ce que je disais ? Bah, je sais plus. Le sud m'a perdu. Mon gars, il n'y a que Ocarina of Time et Majora's Mask, non ? Ah non, ils ont fait un manga aussi sur Twilight Princess. Et aussi sur, je crois, Minish Cap. Enfin, non, il y a pas mal de mangas Zelda hein, qui sont sortis. Et je crois que Twilight Princess, c'est celui qui a le plus de tomes. Je crois même qu'il n'est pas fini, me semble-t-il. Un accent vraiment somptueux. C'est celui d'Ocarina of Time, il développe l'histoire avec Volcadia. Oui, et je crois que je l'ai lu. Oui, il y a une histoire de « Ah, ils se sont connus petits » ou une connerie comme ça. Et bon, bah voilà quoi, funeste destin. 2 heures sans sauvegarder, c'est risqué. Ah oui, c'est ça que je disais. J'ai eu quand même pas mal de jeux. Céleste, par exemple. Ça m'est arrivé que ça crache. Merde. On va attaquer au bon moment. Deadly Prémonition, premier du nom aussi. Mais bon, ça c'est peut-être parce que le jeu il est codé avec le cul.
Mais ouais, j'ai eu quand même pas mal de freeze hein, avec mes jeux Switch. Je sais pas si vous aussi. C'est jamais très agréable quand ça arrive, hein, parce que vous êtes à fond dans votre jeu et tout. Et tout d'un coup, hop, le jeu te prévient pas, hein, c'est menu. Oh, une erreur est survenue, blablabla, et bah voilà. Ah, si t'as pas d'autosave ou de sauvegarde automatique et tout, t'es un peu dans la merde. Alors, Skyward Sword en fait des sauvegardes automatiques. Donc je pense que ça va, on est plutôt à l'abri. Mais, ah oui, sur PC, bah, le PC aussi, c'est forcément un peu plus instable qu'une console, parce que... Oups, c'est pas fait que pour le gaming. Donc ça gère pas mal de choses en arrière-plan. Donc éventuellement, s'il y a des conflits, ou s'il y a un truc, ou si ton PC il est pas assez robuste, qu'il y a un manque de RAM... ou... le suicidaire, c'est bien mis à côté de la bombe. Avec le PC là-dessus, ça reste quand même une plateforme un peu moins fiable, on va dire, pour le jeu vidéo que les consoles. Même si les consoles se transforment de plus en plus en... Putain, même pousser des objets, ça te pète l'endurance. Là, je sais pas trop pourquoi, mais faisons comme ça. Deux mangas sur Link to the Past, puis un pour Ocarina of Time. Un pour Ocarina of Time, Majora's Mask. C'est quand même complexe de résumer dans la taille d'un manga. Un manga, c'est quoi? C'est 50 pages, quoi. C'est petit, puis les dessins prennent énormément de place. Comme dirait Zemmour, c'est quoi? C'est des... Et bam! Boum! C'est pas de la culture, ça, madame! Et à part ma conne. Donc ouais, me dire Ocarina of Time, c'est un manga... Oh, les mecs, ils ont dû tartiner, hein. Ça, l'aventure, elle doit être condensée. À la fin, tu sors de là-dedans, t'as l'impression... t'as pas vraiment l'impression d'avoir vécu une grande aventure, tellement c'est ramassé du début jusqu'au postulat de fin. Un freeze comme celui du Ruby de 200 dans Ocarina of Time. Non, mais ça, c'était un coup du destin, hein. Ça n'arrivera plus jamais, à une telle coïncidence... Quelle freeze, étonnamment, de freeze, pas sur Switch. Ah, humour de qualité. Ah oui, je me disais aussi. 200 pages environ, un tome de manga. Je fais confiance à Arthur. Parce que tu connais mieux que moi. Et au contraire, j'avais jamais eu de problème avec Céleste sur mon PC portable qui n'est pourtant pas tout à fait pour le gaming. Et je pense que c'est plus logiciel. Hein. Je pense qu'il doit y avoir des failles dans certaines versions qui font que, bah, des fois, le jeu, il fatal crash, quoi. Pas les meilleurs mangas que j'ai lus, les Zelda. Bah... Environ, j'ai dit, pour un tome classique. Bah, c'est... Ouais, bah, comme on dit, quoi. Résumer un jeu Zelda... Bon, alors, on va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Zelda, c'est pas... The Last of Us, en termes de scénario. Mais c'est quand même léger pour avoir le temps de s'imprégner d'une histoire, de voir l'évolution. Là, les temples, c'est quoi? C'est limite, t'entres dans le temple... Oh là là, deux ennemis, clac clac, flèche flèche, passe trois portes et oh, le boss. t'as pas le même ressenti, quoi. Modèle DL301. Putain, ouais, parce qu'ils avaient un délire encore de machine. Cet élément semble hors de service. Hors service depuis de nombreuses années. Il m'est impossible de déchiffrer ces paroles, comme tout de des machines. Bien. On va prendre les rubis, mais... Est-ce qu'on n'aurait pas un peu la flemme? Il faut taper ça. Quand on sait pas quoi faire, il faut taper les choux. Ils sont tellement what the fuck les mangas Mario. J'ai acheté le premier tome du manga Mario. Mais comme dit Tutur, celui avec les vannes pipi caca prout toutes les trois pages. C'est vrai que franchement, c'est le bas, mais vraiment le bas du bas de l'humour. J'ai lu le tome et à la fin, je me suis dit... Ouais, bah on va s'arrêter là. Ah, c'est vraiment vite. En fait, cet environnement, donc le désert, est encore une fois une histoire de temps, parce que le temps, c'est vraiment un truc. On va avoir ces cristaux-là qui vont nous permettre de remonter le temps à l'époque où bah, tout fonctionnait, quoi. Donc tout est beau, tout est bien, tout est mignon. C'est même coloré, il y a de la vie. En fait, avant, c'était pas un désert. Et je trouve que c'est la bonne idée de cet environnement. C'est un peu son background. Et là, on peut parler au truc moche. Je parle pas pendant que je travaille, ça me dérange. Putain, les esclaves.
Ils aimaient le travail. Je détecte un glissement temporel dans cette zone. Le choc infligé à la pierre bleue a fait remonter le temps. L'endroit est maintenant tel qu'il était dans le passé. Si fait, mais j'aurais jamais deviné, c'est où? Tiens, prends-toi une bombe. Adieu. Oh, ils sont bas. Le travail est plus important. On utilise ce wagonnet pour transporter les chronolithes. Les humains ne peuvent pas monter dedans. Allez, va-t'en. Vous êtes raciste des humains, c'est ça? Par où es-tu arrivé? Ici, nous extrayons des chronolithes pour les transporter jusqu'à la raffinerie de l'anel. C'est dangereux pour les humains. Évite de toucher cette pierre bleue. Comme ça, mourrez tous, bande de schlag. Des droits de vie ou de mort sur vous. Et Gérard le tyran. T'as vu les mangas Pokémon avec le Vénard où on voit le Zizi de Tacha? Non, t'as eu peur de dire Zizi. T'as eu peur de te faire trash talk par Twitch. Bon, bah je suis allé dedans. J'ai pas le droit, mais voilà. Vu que j'ai droit de vie ou de mort sur vous. Incroyable. Ça s'arrête pile avant le passage dans le temps. Ça, c'est propre. Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, il y a deux versions de la musique. Là, une version un peu plus basique. Percussion, machin. Et en passant là. Voilà. On gagne des instruments, etc. J'aime bien ces petites nuances. J'ai obtenu une fleur ancienne. On dit qu'elle fleurissait bien longtemps avant notre ère. Ah oui, ça, c'est des fleurs qu'on va pouvoir pêcher au queue ici. Bien avant notre ère. NG de cette zone, si cute, ils s'appellent tous DL car c'est la Naru des... Ah, je ne savais pas, tu vois, ça prend quelque chose. J'aime ce mégadisme, j'aime me battre. Non mais c'est vrai que moi c'est mon environnement préféré. Bon, on n'a pas eu le droit de voir l'environnement en entier dans le passé, mais après c'est pas mal. Pour la suite du jeu, ils ont fait un bel endroit plutôt que de réutiliser. Tiens, des persos frappent la pierre et ils se tuent pas techniquement. Bah, faut croire que si. Ou alors, c'est peut-être que l'épée de légende qui fait réagir comme ça. Salut, dictateur Adam. Bah, tu t'es pas fait schlag par Twitch avec ton pseudo. Empire, les trois premiers temps, c'est encore regardable, mais la suite, ça s'enfonce sans s'arrêter tellement c'est mauvais livre. Manga Mario. Ah non, je peux pas augmenter le son du jeu. Il faudrait que je sorte du plein écran et... On pourra faire ça une fois que j'aurai réussi à gratter un deuxième écran. Oh, la mort n'était pas loin. Ah, c'est con. Je me demande ce qui serait passé. Ah, dommage. Ah, si on retrouve une porte comme ça, on se la fait tomber sur la gueule. Très, 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 très. Ah. Alors, question, est-ce que je meurs? Oh là, oui. Je pense que oui. Ah, dommage. Donc ça veut dire qu'on pourra pas se tuer à la tâche. Si, allez. Allez, on y croit. Allez, allez. Ah, censuré. Puis c'est quel Zelda qui a les meilleurs OST pour toi? Alors attendez, je vais me faire un petit stock de bombes parce que là, je suis un peu ric-rac quand même. Ah, oh, c'est compliqué. Alors, tu sais peut-être pas, je sais pas depuis quand tu me suis, mais j'ai toujours dit que j'avais du mal à classer les choses. Du mal à dire par exemple quel est le meilleur Zelda, même pour moi. Ça change un peu en fonction des époques, ça change en fonction de... Ouais, d'où j'en suis dans ma vie, de mes affinités du moment, de mon humeur. Je peux pas dire jusqu'à la fin des temps, ah ouais, Ocarina of Time c'est mon Zelda préféré. Que chaque Zelda apporte des choses que d'autres n'apportent pas, etc. Donc c'est pas évident à dire. Donc qui a la meilleure OST? Te dire entre qui ça se jouerait avec Jordan. À quoi ça sert de mettre ça? Ah si, c'est peut-être, il y a un trou. Oui, non, il n'y a pas de trou là. Oh, incroyable, les amis, c'est le type, c'est la beau légendaire. Ah non, putain, il y a un trou, j'avais même pas vu. Donc oui, Ocarina of Time bien sûr a une OST culte avec beaucoup de musique qui
qui deviendront, ouais, justement, reconnaissables parmi toutes. Oh bien, notre première gélatibule, c'est quand même fou qu'on n'en ait pas eu avant. Bon, on en a frappé du blob, là. Majora's Mask. Pas forcément tant pour ces musiques des environnements. Parce que elles sont pas... je m'écoute pas ça le soir. La pleine Zora, quoi. Qui a une musique assez déprimante, quoi. Majora's Mask, il est très dans son thème. Par contre, je trouve que les mélodies à l'ocarina sont folles dans Majora's Mask. Certains thèmes, l'appel des géants, le chant de l'apaisement. Enfin, il a vraiment des mélodies archi stylées, archi bonnes. Wind Waker est aussi un bon compétiteur, hein, franchement. En plus, il amenait un style différent des OST qu'on avait connus. C'est un petit peu plus, comment dire... Avec des instruments un peu plus... pas exotiques. Un peu plus originaux. Il amène vraiment une fraîcheur et des mélodies qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre dans un Zelda. Donc il a une... Franchement, Wind Waker, pour moi, il a une très très bonne OST. Après, il y a eu qui ? Après, il y a eu Phantom Hourglass. Ah non, il y a eu Twilight Princess avant. Twilight Princess, il a des bons thèmes. Bah, après, la série Zelda est quand même connue pour avoir... Ah non, merde, c'est ça que je voulais faire. J'ai pas les fourmis géantes. Ah, comment je... J'ai eu ? Ouais. Deux fourmis de l'anel. Ah, j'ai eu les deux d'un coup ! Arrête, énorme. Sec. vas-y, faut que j'en prenne plein de toute façon, parce que c'est pour les améliorations. Mais allez, mais viens. Oup, oup, oup. Oui. Oui. Après Phantom Hourglass, là par contre, on arrive... Dans une OST où franchement... Ah, oh, ça va être un défi aussi ça. Hein. Refaire Phantom Hourglass. Oh la vache, j'ai vraiment pas envie. Hein. J'ai vraiment pas envie de le refaire. Prends des risques pour ma vie. Franchement, c'est vraiment un Zelda qui m'est... Il m'en reste rien et l'OST elle est vraiment pas folle. Hein. À part le thème de Lineback. Et peut-être un autre thème dans le jeu, mais sinon le reste c'est zéro. Spirit Track, c'est une très bonne OST par contre. Là, ils ont complètement remonté la pente. C'est même étonnant. Entre deux épisodes, à quel point ils peuvent se foirax et juste après faire une OST vraiment très bonne. Alors, bonjour messieurs, dames, je ne fais que passer. Mon endurance voulait bien se remettre un peu plus vite. Après qu'il y a eu Skyward Sword, il a une bonne OST. Je vais pas dire qu'elle est excellente, mais il a des bons thèmes. Encore une fois, c'est pas marquant, mais ça passe très bien dans l'ambiance. Alors là, il y a un coffre, il faut pas que j'oublie. Et tout ça juste pour passer, j'aurais pu faire beaucoup plus vite. Hein. Merde, c'est quoi ce qu'il y a là-bas? Ah non, je crois qu'il y a un truc. Ou c'est juste un buisson, je sais pas. De toi. Donne-moi des gélatibules. La musique du soir du troisième jour de Majora's Mask, Best Song Ever, quand tu fais la quête avec Café. Ah ouais, non mais ça c'est un moment... moi j'adore aussi cette musique là dans les 5 dernières minutes. C'est tellement... Koji Kondo, ce génie. Tu as tellement le sentiment que vraiment c'est la fin de tout quoi. Cette musique, elle peut pas mieux... Enfin, la mélodie, la composition, vous pouvez pas faire plus mouche pour la situation dans laquelle elle est utilisée. Et comme tu dis, en plus, quand t'es, ça nous est toujours arrivé, que ce soit dans un temple ou dans une quête à terminer, etc. D'être pressé vraiment par le temps et d'avoir ce thème en plus en fond, t'as vraiment une sensation de un peu de désespoir, de dernière chance qui vient et c'est tellement envie de refaire Majora's Mask. Oh là. Oh là, ça a pété dans les mains, ça. Quand même réussi. Attendez, je vais faire plus intelligent. Au lieu de s'emmerder avec un timing. Alors, je sais pas si elle ira aussi loin que ça. Elle est bien partie en couille, d'ailleurs. Non, mais de toute façon, on s'en fout au pire. Hein. J'y vais à la main.
Rétrax. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où la bombe? Viens, vite, dans ma poche. Rétrax a vraiment des bonnes musiques. Hein. Et Breath of the Wild. Alors là, c'est plus complexe. On va me dire, ouais. Yeah, qui est une du caca, t'as trois notes de piano qui sont duelles. Et vous avez pas tort. Et le fait est que... Oh merde. Ah non, bah non, bah... Ah, c'est de la couille. Elle a mangé le sable. Mais je peux pas. Je peux pas l'envoyer... Ah, peut-être. Mais pourquoi elle part? Oh, dis donc, c'est vraiment... Là, le fond du souple, hein. C'est un Weebooling. Mettez-moi la musique de Weebooling. Et pourquoi à chaque fois elle part en couille? À gauche. Oh, oh, ça c'est beau. Et voilà. Et le sable laisse sa place à cette belle couille. Donc Breath of the Wild... Je comprends ceux qui ont été... Bâtard. Ceux qui ont été déçus de l'OST, mais... Imaginez-vous... Merde, une troisième. Merde. Oh! Esquive! Mais... Dégage! Je comprends, mais dans une plaine gigantesque, où les développeurs savaient que vous alliez passer... des dizaines, voire des centaines d'heures sur cette map. Je peux pas faire une musique comme la plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time pure, avec toutes ces variations, peut-être 4 minutes et la faire bouper boucle sur 500 heures de jeu. C'est pas possible. Donc ils ont été contraints, mais c'était la bonne chose à faire, de faire quelque chose de beaucoup plus discret, qui allait bien en plus avec l'environnement très nature, post-apocalyptique, donc très... voilà, c'est comme si toi, tu te retrouvais devant une énorme étendue de forêt, de machin et tout. Bah, t'as plus envie d'entendre le bruit de la nature autour de toi, plutôt que d'avoir une musique... Et... enfin, voilà, quoi. Et ils ont ajouté ce petit piano qui vient juste souligner un petit peu... certains panoramas, certaines actions qu'on fait, etc. Et à côté de ça, ils ont mis quand même des petites musiques, genre quand tu fais du cheval, et puis bien sûr, les villes ont leur musique. Alors, la musique du village Cocorico, là, pour le coup, ils sont un peu ratés. Je dois avouer que je la trouve pas ouf. Par contre, le village des limites, le village de Zéro, bon, voilà, le village Zora, forcément, et la musique, on reste pas moins excellente. Bah, les musiques de ville sont vraiment excellentes, hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme Skyward Sword, c'est pas quelque chose qui va devenir culte à travers les âges, c'est des musiques qui sont vraiment très bonnes quand même. Et personnellement, j'ai adoré les musiques des temples, et notamment celui de Panaboris. Je trouve que les musiques de temples, en plus avec leurs variations en fonction de où on en est, il y a vraiment des très très bons thèmes qui ont rien à envier à certains temples, des meilleurs temples... des anciens Zelda. Et le thème du jeu, il est astronomique, quoi. Il est vraiment fabuleux. Bon, alors, on l'entend pas avant très très longtemps, pour pas spoil. Mais Breath of the Wild, pour moi, est une très bonne OST. Elle est juste faite un peu différemment, mais c'est normal. Tout le sound design de Breath of the Wild est fait de manière minutieuse. Il y a de vie, la musique est présente. Les thèmes des prodiges aussi, qui sont archi bons. Franchement, il y a des thèmes qui sont vraiment très très bien dans Breath of the Wild. Hein. Je trouve qu'on lui donne pas assez de crédit à son OST, honnêtement. Hein. Après, je peux comprendre qu'on aime pas, c'est les goûts et les couleurs. Ce n'est pas courant de voir des humains par ici, tu t'intéresses aux chronolithes? Est-ce que c'est une drogue? Est-ce que vous, c'est votre coke à vous? Ah merde, désolé, je t'ai suicidé. Oh non, puis moi je me fous dans la sauce en plus. J'ai pas réfléchi en faisant mon move. Ça va Raven et toi-même? Est-ce que je peux partager un événement triste qui vient de m'arriver? J'ai envie de vider mon sac et je ne trouve pas d'autre compagnie que le live, mais je ne peux pas plomber l'ambiance.
Bah, désolé, je dis ça en ricanant, mais c'est pas par rapport à ton truc. Et bah écoute, c'est juste que j'ai pas envie que t'aies de la malveillance, mais c'est sûr que... Allez, hein. Nous sommes là, pas seulement pour vous me payer des abos ou des conneries, hein. Là pour, voilà, pour échanger, etc. Et puis on est des humains, hein. Voilà. Je pense que ça peut te faire du bien. Je demande à messieurs dames d'être bienveillants. Vous avez attrapé une libellule Gerudo. Et eux, à facettes, ont l'éclat du saphir. Et ses ailes, la délicatesse du cristal. Oh, mais c'est beau, ça! Ça, c'est poétique. On va battre Ganon avec mon filet. Alors, viens à toi. Boum! Boum! Oh! Ah là là, mais ça fait des petites esquives. Oh! Hop! Merde! Merde! Oh oui, elle a même pas eu le temps d'ouvrir la gueule. Et le petit coin. Comment on peut descendre? Défendre l'OST de Breath of the Wild, y'a pas de musique, c'est nul. Je viens de passer 10 minutes à expliquer pourquoi. Bah, je t'invite à écouter l'OST du jeu et tu verras qu'elle dure plusieurs dizaines de minutes. Et tu verras que oui, il y a des musiques dans ce jeu. Le goût et les couleurs, selon ta perception à toi, tu ne peux pas affirmer que l'OST de Breath of the Wild est la pire de la saga de tes yeux. On dit pas j'aime et on dit pas c'est pas bon, on dit je n'aime pas. Ça, c'est ce que nos parents nous ont toujours dit. Que tu n'aimes pas, mais toi que c'est nul. Laurine, la maman du chat. Vous avez obtenu une poussière de DS. Ça sert à quoi cette merde? Je crois que c'est important. On raconte que la DS aurait laissé tomber ses trésors légendaires très rares il y a des générations. Elle les a bien mis dans un coffre. Hein. Oh, on a bientôt toute la panoplie. Bon, Ganon, il faut le battre avec la canne à pêcher. Je vais faire court, un rôdeur, on dit encore ça, est venu à ma porte tenter de me soutirer de l'argent. Je tenais tête, mais le gars était insistant et très malaisant. Il part passer la porte et rentrer dans l'appart sans que je l'autorise. Enfin, le dégage. J'ai vu plus tard qu'il avait. Ah, bah effectivement, ça c'est un sale coup. C'est pour ça que généralement, si on sonne à ma porte, je... Un bâtard, mais je veux même pas voir qui c'est. Ou alors je regarde vraiment. On dit je ne suis pas le public. Ou alors je regarde vraiment par les Interpol, les œillets, les machins. Enfin, franchement, moi je. Là-dessus, c'est comme au téléphone. Hein. Si on m'appelle et que c'est un numéro que je n'ai pas d'enregistré, vous allez tomber sur ma boîte vocale, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu de la poussière d'argent. Mais est-ce que c'était intéressant? Ah, il y a un truc. Ah oui, d'accord, ok. C'était pour ça. Non, je peux monter là-dedans. Oh, je crie qui c'est. Ouais, après, tu peux porter plainte, oui, effectivement. Mais bon, ouais. Bon, après, je sais pas si ça mènera à grand-chose. Malheureusement, parce que, bah, sans éléments... Comment que t'arrives à faire un portrait robot, mais je suis pas sûr qu'ils mettent autant d'énergie là-dedans pour faire des trucs comme ça, quoi. Je réponds jamais quand je sais pas qui m'appelle, ça me stresse, je sais pas pourquoi. Ah, moi, de toute façon, j'aime pas le téléphone, c'est un truc... je sais qu'il y en a qui s'en foutent, ils peuvent passer des heures, ils appellent. Moi, le téléphone, j'aime bien voir la personne, en fait, quand je parle. Et avoir au téléphone, j'ai toujours été malaisant. Je me souviens même que quand mes grands-parents m'appelaient, enfin appelaient chez nous pour XY, souvent pendant les repas, je feignais d'aller aux chiottes. Et j'y passais ma vie jusqu'à ce qu'ils aient raccroché et qu'ils puissent pas me le passer. Depuis petit, le téléphone, je n'aime pas, c'est cringe, c'est malaisant. C'est pas ma cam, quoi.
Qu'est-ce que tu m'as dit, Faye? Ah, c'est vrai qu'on devine quand même les autres environnements qui se débloqueront un peu après. Zone, elle a une vue magnifique en arrière-fond. Ouais, bon, alors magnifique, je sais pas si tu parles de ça. On... ah, les goûts et les couleurs, dirons-nous, mais oui. Peut-être une fois qu'on aura fait quelque chose. Je spoilerai pas tout de suite. Pareil, je déteste le téléphone. Mais je pense qu'on est beaucoup à pas aimer hein, parler au téléphone. Hein. Oh, une chronolithe. J'ai jamais quoi répondre, ça va, tu fais quoi? Et après, un gros blanc. Alors c'est quoi, je l'ai retiré pour le remettre, mais plus fort. Et de ce côté-là, quel intérêt? Ah si, je peux monter. Et en fait, c'est surtout que moi, je suis pas... Je sais pas, j'ai peur de faire chier les gens, moi, en racontant ma life. Genre, ça me vient pas à l'esprit d'appeler quelqu'un pour prendre des nouvelles. Voilà, ah, salut, bah alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Ça va, depuis le temps, nanana. Alors, si, il y a ma mère, des fois, on s'appelle quand même. Et avec elle, je passe du temps et ça va. Avec elle, c'est pas cringe. Et avec d'autres personnes, oh... J'ai un peu de mal, quoi. Sauf s'il y a vraiment un sujet, un vrai sujet sur lequel parler, etc. Si c'est juste s'appeler pour s'appeler... Oh, les gars. M'appelez pas pour ça, parce que ça va être cringe, hein. On va se regarder dans le blanc des yeux, même si on se voit pas. Et nous voici dans le désert de la neige. Oh Oh, le punching ball. Oh, il est bien accroché, le bilboquet. Ah, mais vous avez vu, petit... En fonction de là où on tape, on retire l'écorce. Bon, je crois qu'on parle d'écorce pour un cactus. Je veux le Mickey au-dessus. Je veux le pompon. Oh, vous, est-ce que vous êtes pas chiant? Je me souviens plus. Comment on fait? Faut vous cogner dans un mur. Oui. Oh, ça va. En fait, ça va. J'ai dû avoir un remember de Dark Souls où il y a des ennemis roux comme ça qui te prennent dessus. Le Dark Souls, c'est beaucoup plus chiant qu'un Zelda. Mais par contre, même si je suis bègue, parler aux gens que j'aime au téléphone, ça va, ça ne me stresse pas. Ah, c'est pas que ça me stresse. C'est pas du stress, c'est juste que j'aime pas en fait. Et ça me crie. Il est ermite. Non mais je suis pas un ermite, hein. Mes amis vous le diront, ça va, je parle. Hein, je suis pas assis sur ma chaise. Regardez, genre, à prier pour que les gens ne m'adressent pas la parole. Ah non, je suis quelqu'un de social, hein. Je suis quelqu'un qui aime papoter, qui machin et tout. Mais c'est juste le concept du téléphone, c'est vraiment... C'est vraiment ça, là, que j'apprécie pas, quoi. Ah, pour ceux qui m'ont vu en convention, vous pouvez attester que je suis pas cringe. Et pourtant, des fois, ça pourrait, hein. Parce que quand tu rencontres des gens... ça me fera souvenir certaines japonais. Quand je... Au sommet de ma célébrité... et que j'allais en convention, bon, bah, forcément, il y a des gens qui reconnaissaient, machin, et puis qui parlaient et tout. Et moi j'étais pour ça, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui viennent pour te dire ah Bibi. Ah, parce que généralement c'est pour te dire j'apprécie ce que tu fais, pas pour te dire tes vidéos c'est vraiment de la merde. Donc voilà, c'est toujours gentil. Mais des fois, bah après je comprends. Moi si j'étais face à une personne que je respecte, que j'admire pour quoi que qu'est-ce, un groupe, un... que je suis tanné, ou un acteur que j'aime beaucoup et tout, ah pareil, je serais un peu en mode... On est toujours un peu impressionné en fait. Bon alors ça fait bizarre de parler de moi comme ça, parce que franchement les gars, c'est un clochard qui joue vidéo, hein, il est vrai. J'apporte pas de valeur ajoutée à vos vies, hein. Mais regarde-moi toi, mais respecte-moi. Il voulait même pas me voir.
Mais résultat, des fois, certaines personnes, notamment des assez jeunes, venaient me voir et je sentais que... Ouh, il fallait que ce soit moi qui parle parce que sinon, il allait y avoir un silence. Donc résultat, bah voilà, j'essaie de bienveillant, etc. De leur dire, ah non, hein, c'est la première fois que tu viens à Japan. Enfin, j'essayais de faire un peu de discussion, quoi. Quoi, tes vidéos préférées de la chaîne, tout ça, enfin des petits sujets assez simples, quoi, comme ça, que pas des questions existentielles. Et généralement, ça se passait, moi ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de personnes archi-cries. J'ai eu des enfants très intimidés, oui. Bon. Ah, c'est normal, hein. Et Bibi, je t'ai découvert en cherchant des vidéos de cuisine, je suis tombé sur ta vidéo, leçon de cuisine. Alors celle-là, je l'ai jamais eue. Parce qu'un peu triste, hein. Trop peu d'amour pour la vidéo leçon de cuisine. On m'en a jamais parlé en IRL. Mais j'en veux pas aux gens, hein. Honnêtement, je sais même pas combien de vues elle a faites, cette vidéo. Je pourrais même pas dire actuellement à combien elle culmine. Est-ce qu'elle s'est beaucoup vue ou est-ce que elle est restée un petit peu dans le côté sombre? Cet environnement, il est assez explosé. C'est un des premiers environnements, on va dire, avec une grosse zone. Faut pas trop se perdre, hein. Il y a plein de trucs à faire à droite, à gauche. Ça, j'arriverai pas du tout. Pas monter. Je pense pas que ça passera. Mais on sait jamais, sur un malentendu. Oh là là, la portée du truc. Ah, je pensais que ça allait plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des tensions dans le chat. J'adore tes vidéos. La cuisine, c'est ma préférée. 32 000 la vidéo leçon de cuisine. Bah quand même, hein. Elle passera 100 000 demain. J'en suis pas si sûr, mais... Alors... Qu'est-ce qui se passe, là? Et apparemment, ça insiste lourdement sur Breath of the Wild. Mais après, les gens... C'est pas grave si vous n'aimez pas Breath of the Wild, c'est pas grave si vous l'aimez. Bah, c'est encore moins grave si vous l'aimez. Tant mieux que vous l'aimiez. Vous avez obtenu un virevoltant. Peut-être trouverez-vous une utilité à cette boule de verbe séchée. À part la brûler, faire un western. Oh putain, Faye, elle va nous dire un truc de ouf. Les virevoltants roulent parfois sur le sol du désert de la Nen. On les utilise en général comme matériaux. Il est possible de les attraper à l'aide d'un filet à papillon. Merci, Faye. Formation. C'est pas grave. On n'est pas obligé tous d'aimer la même chose. On a le droit d'avoir des désaccords de goût, simplement. Il y en a qui aiment les frites, d'autres qui aiment pas les frites. Rares ceux qui aiment pas les frites. C'est pas grave. Il n'y a pas une personne qui a tort et l'autre qui a raison. Et c'est pas parce qu'une majorité pense d'une certaine façon qu'ils ont plus raison que ceux qui sont en minorité. Regardez les anti-vax. Toute la merde. Non mais c'est vrai, il n'y a pas de honte à aimer un truc que personne n'aime. Regardez. Moi je vais vous parler de jeux. De jeux chum... de niche que moi j'ai aimé mais que la majorité n'aime pas. Deadly Premonition. C'est un jeu très particulier, buggé du cul, avec un scénario improbable, des personnages, c'est cringe, c'est machin. Mais moi j'adore ce jeu. J'ai même acheté le 2 qui rame du cul et qui est mal optimisé et qui est dégueulasse sur Switch. Mais je l'aime quand même. Et bah, même s'il y a 10 000 personnes qui viennent me dire « Mais non, mais c'est de la merde. Ah putain. » Mettre par au-dessus. Au con, tu vas me dire que le souffle de la bombe à travers les barreaux. Oh, les barreaux protecteurs. Et ben, moi, il y a des jeux comme ça de niche. Je sais très bien que c'est des jeux de niche. Ça a même pas fait 100 000 ventes dans le monde. Et les tests les ont déglingués. Et ben, moi, je les aime. Et c'est pas grave. Moi, j'aime aimer ces jeux-là. Et puis, je les défendrai corps et âme. Mais en même temps. Si quelqu'un me dit « Ah non, moi je trouve, ah j'ai vraiment pas aimé, nanana », eh ben je comprendrais son avis, je dirais « Bah écoute, oui, bah c'est pas grave. » On a le droit de ne pas aimer un truc qu'on aime. Ça, en fait, avoir des gens qui crachent sur quelque chose, alors c'est dommage qu'ils crachent, dire qu'on n'aime pas, oui, après dire « Ah c'est de la merde, et c'est nanana,
Et de toute façon, ah non, mais de toute façon, t'as tort. Oula, attendez, il y a le comte Doku là qui est énervé. Au secours. C'était juste pour ça. J'avais pas besoin de me le dire. Mais Alors là, il va falloir être précis dans le mouvement. Oh, t'es pas mort, coup de gras. Voilà, il faut respecter dans les deux sens en fait. Il faut respecter ceux qui aiment, il faut respecter ceux qui aiment pas. Après, on peut débattre. On peut toujours discuter sainement de la chose, avoir des arguments, apporter des arguments en mode... Moi, je sais, par exemple, que Breath of the Wild, j'ai un avis minoritaire au niveau des donjons. Moi, j'ai beaucoup aimé les 4 créatures. Alors oui, 4, c'est pas énorme. Oui, elles sont plus courtes que les donjons classiques des Zelda. Mais j'ai adoré, en fait, la façon dont ils sont mis en scène. C'est-à-dire qu'ils se baladent dans l'environnement dans lequel t'es pendant que tu fais le temple... ces différentes zones, ils ont chacun des mécaniques à faire bouger, etc. Enfin, j'ai vraiment adoré ça, plus... Et je sais que mon ami Créo, par exemple, lui, il préférerait revenir à des donjons plus classiques. Et je le comprends. Je le comprends parce que c'est peut-être... c'est fait différemment, c'est plus long, les environnements sont plus distincts aussi, parce que c'est vrai que les créatures divines, ça je comprends, c'est le même style dans les quatre. Donc, à part l'environnement extérieur qui change, t'as un peu l'impression de te taper toujours le même truc. Et les boss sont pas exceptionnels, ça c'est vrai. Mais moi, j'ai adoré le concept des créatures divines. Et bah lui, il est sur sa position de... Il préférerait que dans le 2, ce soit des temples classiques. Moi, si on retrouve quelque chose à la manière des créatures divines, franchement, ça me va. Et Oula. Dans la vie, on fait des choix. Parfois, ils sont mauvais. Et donc voilà, mais il faut vivre en fait avec ça, et c'est très bien comme ça. Merci de m'avoir aidé. Toi, t'es vraiment le roi du dialogue inutile, ou... Un peu plus, il me déconnectait. Oh, la matrice. Tiens, je vois, tu as un scarabée. On les fabrique ici à l'annel, mais le tien est un vieux modèle. Ah oui, je croyais qu'il parlait d'un insecte que j'avais chopé avec le papillon. Je me disais, bon, quoi, c'est un vieux modèle, pas bah, c'est un insecte, quoi. Pour te remercier, je vais l'améliorer, passe-le moi un instant. Aïe aïe aïe, on va avoir l'upgrade scarabée volant. Ça c'est tu. En scarabée à crochet, ses nouvelles mandibules lui permettent de transporter des objets. Ah oui, on va pouvoir mettre des bombes dedans. Ou en tout cas les choper au passage et les faire péter ailleurs. Ça c'est une bonne idée aussi. Pas prudent, merci. Alors attends, ça marche comment ? Je le lance. Ouais non, par contre il faut que je chope une bombe, je pense. Ah oui, bah c'est ça. C'est ça qu'on va devoir faire. Et c'est ce qu'il me disait. Il va falloir appuyer sur ZR, je pense, pour lâcher le machin. Alors attention, est-ce qu'on est aussi bon panier avec le scarabée? Putain, je m'en souvenais plus de ça. Ah non, c'est une vue aérienne. Oh là. C'est bon, j'ai réussi à calmer les ardeurs du chat. À calmer les tensions ou pas, parce que là j'ai pas lu le résultat. Hop, petite vue aérienne, lâcher de bombe. Parfait. C'est vrai que les donjons étaient trop rapides, mais... Non mais c'est vrai, je conçois que c'était un peu plus court que les donjons classiques. Ah, en même temps, ils ont dû faire avec la taille des créatures divines, qui sont quand même déjà grosses par rapport à l'environnement. S'ils les faisaient encore, enfin deux fois plus grosses pour justifier d'un gros donjon, ils auraient peut-être été un peu disproportionnés, quoi, je pense. Après, ils ont clairement mis l'effort sur la map de Breath of the Wild. C'est vraiment la map qui... Le cœur du jeu. Et après, pour venir combler, bah, ils ont fait les sanctuaires. Les sanctuaires qui... Ah merde, je croyais qu'il y en avait un 4. Pas pour toi. Cadeau! Tiens! Comme ça, tu m'emmerderas pas. Après, dans Majora's Mask, il y avait que 4 temples et ça allait aussi. Mais par contre, ils étaient plus charnus. Ils étaient plus complets, ils étaient beaucoup plus longs. Ce qui est vrai. J'ai tellement hâte de me refaire Majora's Mask. Allez, on prend les petits matériaux, c'est important pour l'amélioration. La guerre est terminée, il n'y a que du love. Ah, oh là là. Les sages paroles. Les paroles de sapience. Eh oui, la sapience. C'est ça qui permet
aux gens de s'aimer. Salut. Bien ou t'es bloqué dans ton chemin de... Ah, 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 ah. Est-ce que tu peux monter la colline? Pas c'est triste. Ah. Bonjour. Est-ce que tu veux bien me le loquer? Bon. Il régurgite un caillou. Très bien. Alors attends. T'as crash ton caillou, je vais faire autre chose. Merde, non, il a la glotte pleine, il va me cracher un caillou. Il te prend ça. Tu lui fous dans la gueule. Vite avant qu'il me crache dessus. Je sais même pas si ça va marcher. Hey, salut. Oh le bâtard, il y a le deuxième qui est venu. Et avant que j'y arrive. Pas si c'est ça que je suis censé faire. Hein. Oui, allez voir ailleurs si j'y... J'espère qu'il me voit. Dégage. Sinon, tout simplement, avec... peut-être le... pas particulièrement, j'ai l'impression. Tiens, lui, il s'est posé. Non, c'est pas ça que je peux. C'est pas ça que je veux. Salut, j'arrive. Les compagnons, mes amis, reprenons notre désir. Sapience, faites l'amour, pas la guerre, Voltaire. Est-ce que ça marche? Oui. Ah putain, oui, je sais pas s'il m'a vu. Merde. Oh non, je me suis pas vu par le vieux cactus. Bon, je crois qu'il m'a vu. Attention. Qui arrivera en premier? Oui. Oh, ce crash. Je croyais que c'était un rubis de 50, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh la vache, ça paye. Alors là, ils veulent bien nous faire comprendre la mécanique. Là, il y a un chariot, mais il n'y a rien. Et tu peut-être. Pas sûr que ça serve à grand chose parce que... Ah si, je peux peut-être traverser. Ah, ça fait des plateformes peut-être. Oh merde. Peut-être pas que je les fasse exploser n'importe où alors. Ah, faut que je dégage. Je vais boire de la soupe avec moi dans les staminets. Non, d'où t'as ressuscité? Jésus 2, le retour. Qu'est-ce que tu fous? Genre. Le truc, il ressuscite tout seul. On t'a pas demandé. Ah, c'est ça. Il va falloir que j'utilise l'autre pour me créer une deuxième plateforme. Tout s'explique. Tout est si bien pensé. Ça, c'est du grand Nintendo. Alors, je sais pas si c'était le bon endroit pour le mettre, par contre. Ah, si, lui. Par contre, une fois que j'arrive là-bas... Le retour sera compliqué s'il ressuscite. Ah, mais non, je vais peut-être avoir de quoi revenir. Un petit filet d'air. Que de cuisine pour demain, je présume. Ah oui, non, on a dit demain avec Signia, ce sera plus drôle. Comme ça, elle va cringer avec moi. Faudrait pas refaire un stream où tu refais le début de Breath of the Wild. Alors pourquoi s'emmerder à faire que le début? Pourrait éventuellement le refaire. Hein. Mais juste, comme j'ai dit, je vais pas... je vais pas le refaire comme je l'ai fait la première fois, quoi. Oh putain, le con, je crois qu'il est venu vers moi. Ah putain, je sais pas si ça va créer une plateforme assez, assez proche pour que je puisse me redistribuer là-bas. Bon, si. Ah, allez, quoi. Ouh, c'était short. Piquant le stream de Majora's Mask. Ah bah, on va pas commencer non plus 36 jeux d'un coup. Hein. On va déjà finir Skyward Sword. Et Pokémon Diamant. Et alors, est-ce qu'il y a un truc? Ah, il y a un petit... Petit wagonnet.
Donc on va déjà finir ces deux jeux et puis après on avisera sur la. Je te pousse. Bah, je te pousse, bâtard. Surtout qu'il n'est même pas encore sorti sur Switch, Majora's Mask. Ah oui, c'est vrai. Oh. Mais je vais devoir y jouer en 50 Hz par contre, parce que ça va faire mal. Hein. Attends, c'est moi ou ils m'ont fait une musique genre « Ah, bien joué !» Je peux plus rien faire avec ça maintenant. Quoi ça a servi ? Un peu à rien. Je vais continuer de l'autre côté pour l'instant. Toujours le deuxième remake de refonte entière de Majora's Mask, j'y crois. Oh bah moi j'y croirais pas trop si j'étais toi. Hein. Je pense que Nintendo ils ont fait le job sur 3DS et là ils se disent bon bah c'est bon hein, maintenant Ocarina of Time, Majora's Mask c'est fini. Non j'aimerais ouais c'est pigeon hein, mais j'aimerais bien un bon remake HD de Majora's Mask, ça pourrait le faire. Et après je sais que je dirais oui pour certaines choses mais pas d'autres. Oh mais lol, il y a une bombe là-dessus. Genre, les musiques réorchestrées, bah ça passe ou ça casse. T'es tellement habitué aux sonorités de l'épisode original, à comment la mélodie était composée, tu l'as tellement en tête. Merde, faut aller vite. Que des fois, quand t'entends une réorchestration, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais comme ça change de ce que tu connais, bah t'apprécies un petit peu moins. J'ai pour exemple Final Fantasy X, un jeu que j'aime beaucoup. Et bah, dans les portages entre guillemets remake HD qu'ils ont sorti, ils ont refait toute l'OST. Bah, quand j'écoutais les nouvelles versions, j'étais vraiment pas fan. Hein. S'il y a un truc là-bas, prends le risque. Oh la vache! Ça me paraît trop curieux en fait. Oh, une libellule déjà. Ça me paraît trop curieux là, ces deux buissons. Oh bâtard, il allait tellement vite. Je pense qu'il y a quelque chose là. Et résultat, j'aime pas du tout les réorchestrations qu'ils ont fait de FF10. Heureusement, tu peux... Rien. Heureusement, tu peux... mettre l'OST original, donc c'est ce que j'avais fait. Alors attends, par où faut passer? Ça sert à rien. J'imagine qu'il faut aller vers le bas. Oh, je vais équiper direct une bombe, hein. Pas m'emmerder. Tiens. Cadeau. Oh non! Vas-y, pète! Quand tu veux. Oh lolo. Bon, bah, on va le faire comme ça. Donc, ouais, des fois, les remakes, c'est pas forcément les versions que tu préférerais au final. Parfois, vaut mieux rester avec ses souvenirs et avec les versions. Les versions d'époque, au moins tu sais à quoi t'attendre et t'es pas déçu par certains choix qu'ils pourraient faire ou voilà genre ils ont réarrangé certaines quêtes ou alors ah tiens ils ont coupé tel passage ou ils ont changé telle scène. On est bien avec nos souvenirs. Je vendrai ma maison pour une compilation Zelda à la Kingdom Hearts avec Ocarina. Oh le bâtard, lâche pas comme ça d'un coup. Avec Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker et TP. Bah, non, s'ils font ça, ils vont vendre les jeux un par un. Ils vont pas s'emmerder à le vendre qu'une fois. Je connais Nintendo. Ça sert à rien de venir là. Ah, je sais pas, mais c'est bizarre quand même ça. Tu vas me dire qu'il y a rien? Ah ouais, peut-être. Hein. Ah oh, puis techniquement, Wind Waker et Twilight Princess, on vient quand même bien de se les manger. Hein. Pas moins Wind Waker, vu qu'il est pas sorti sur Switch, pas encore. Mais Twilight Princess, on se les mangeait sur Wii U, sur Switch. Je pense qu'on est déjà pas mal en termes de portage remake. Par exemple, je préfère la version originelle de 13 que le remake de Micro. Ouais, mais ça, je pense que tu n'es pas le seul. Je pense que c'est une des rares fois où on peut dire que les avis sont unanimes. Il n'y a pas une personne qui préfère le remake portage que l'original. Pardon. Oh, puis après, on va s'arrêter, surtout, putain, il est bientôt minuit, n'importe quoi. Eh bien, messieurs, dames, je pense même que voilà, hein, on vient de sauvegarder. Oh, regardez-moi ça. À chaque fois, je me plante, hein, c'est...
Regardez-moi ça, mec. Mais quel est cet étrange symbole? Parce qu'à Célestebourg, on connaît pas ça, hein. Quel est ce triangle? Ah, c'est un architecte de renom qui a dû le faire. Ah, et Zeldo, elle est là-bas, derrière ce tas de gravats. Peut-être que ça s'effondrait sur elle. Rip en paix. Là, là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant. On va juste faire un coup de... Ah non, c'est la chronolithe. La chronolithe. Là, on va devoir faire un petit switch. Vous avez vu toutes les chronolithes, tous les machins, tous les wagons. On va leur faire tout un petit agencement pour aller voir là-bas. Bah, je pense qu'on est pas mal pour s'arrêter ici. On va se laisser sur... Voilà, cette belle image. On va papoter vite fait et puis on s'arrêtera là. Toilette Princess sur Switch, t'as fumé. Ah bah oui, non, j'ai fumé, exact. Non, en fait, c'est juste parce que comme je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça en stream, mais c'était la Wii U, bah, comme j'oublie la Wii U, et bah voilà. J'ai oublié la Wii U et j'ai cru que c'était sur Switch, tout simplement. Après, je sais pas s'ils vont les reporter dessus, mais pense à save. Ah, c'est bon, je viens de save, non? Je me suis planté. Si j'ai jamais fait Majora's Mask et que j'ai la flemme de sortir ma 2DS cassée, je peux pas baisser le son. Je vois la version 3D et pas envie d'en racheter malgré graphisme moche, le jeu original vaut le coup. Pas moche! Juste plus les standards d'aujourd'hui, c'est sûr. Et le jeu a bien vieilli, hein. Tu peux y jouer sans souci. Après, moi j'ai connu... J'ai commencé les jeux avec les consoles 8 bits, donc forcément, moi je suis pas choqué de revenir sur des anciens jeux, etc. Et souvent ce va-et-vient avec du rétro, avec des jeux plus récents. Franchement, c'est pas quelque chose qui me perturbe plus que ça. Et après, toi, je sais pas quel est ton âge, je... comprendre que voilà, peut-être tu pouvais pas à cette époque là parce que tu n'es pas né, soit c'est trop petit. Peut-être que tu auras voilà, tu vas avoir un peu la barrière du jeu en 24 images par seconde avec voilà le jeu a vieilli techniquement, mais franchement, ça marche toujours. Hein. Les temples sont très bien. Le système des 3 jours, bon, ça faut aimer, faut réussir à rentrer dans ce concept. Et moi, franchement, ça m'a jamais dérangé. Et si c'est juste la technique qui te fait peur, franchement, attends qu'ils le mettent sur Switch. Hein. Franchement, t'inquiète. Hein. Après, bien sûr, Majora's Mask 3D est meilleur. Bah, il est meilleur pourquoi? Parce que techniquement, il est au goût du jour, même si c'était sur la 3DS, mais ils ont bien refait quand même le remake. C'est assez joli. C'est en... Alors, je sais plus si c'est en 60 images secondes. C'est au moins du 30, ça c'est sûr, 30 images secondes. Ah, 60 images secondes, vu la technique du jeu, je pense pas. En tout cas, c'est un bon 30 images par seconde. Et puis, bah, ils ont touché quelques petites choses au niveau de l'ergonomie. Par exemple, dans Ocarina of Time, les bottes de plomb, c'est plus... Enfin, ils l'ont rajouté en tant qu'item. C'est plus un équipement à rajouter dans l'écran de pause. Et à chaque fois, il fallait faire pause, aller chercher les bottes de plomb, les mettre, sortir de la pause. Cool. Tu fais ce que tu veux les retirer, tu vas dans le menu de pause, tu les retires, tu pars du menu de pause. Enfin, ça c'était, ça franchement pour moi ça c'est une des plus grosses erreurs d'Ocarina of Time, j'aurais pas dû faire d'ailleurs. Mais bon, et bah dans le jeu, dans Ocarina of Time 3D, bah forcément ils l'ont rajouté en item, comme ça tu le mets sur une touche, tu peux les activer, les désactiver à volonté sans passer par le menu. Donc ils ont retouché des petites choses comme ça, Majora's Mask moins. Mais voilà, après pareil, t'as la GPT, c'est peut-être un pas caustique, etc. Oui, c'est les meilleures versions. Mais les originaux n'ont pas à rougir. Hein. À très peu de choses près, franchement, c'est la même expérience. Juste avec la technique de l'époque. Sauf pour la nage Zora. Ouais, bon bah ça... Ah mais oui, non, c'est vrai, putain, je me souviens pas. Ah, il faut que je me replonge dedans, hein. C'est vrai que la nage, je crois, était différente. Parce que franchement, ça marchait bien dans l'épisode 64. Et oui, c'est vrai que j'ai eu un traumatisme avec Miko sur 3DS. J'avais dû changer la nage et ça marchait moins bien. Nous sommes le 30 décembre. Ah, exact. Eh, bientôt, à l'année prochaine.
Et pour le live de... Allez, on se dit pas à demain, mais à tout à l'heure, hein. Non, ce soir à 20h30, MDR. Eh mais dis donc, mais c'est à tout à l'heure. À demain pour le coup, bah oui, tu es sûr, à demain. Tu reviens à la maison pour ta violence. C'est incroyable, les amis. Même Link, il est en train de se faire chier là, il est obligé de faire des petits étirements. Écoutez, c'est cool en tout cas qu'on soit. On a commencé à 100 personnes, on est resté à 100 personnes jusqu'au bout. Je vous remercie, hein, bien sûr, pour votre investissement, d'être là pour regarder les aventures sur Twitch. Ça fait plaisir de voir que bah voilà, ça intrigue quand même pas mal de gens, ou ça fait plaisir à pas mal de gens. Quelle heure le live réaction, le son de cuisine? Ah bah, moi mes lives c'est toujours vers 20h30, hein. C'est un peu l'heure que je me suis donné. Comme ça, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard non plus. J'arrive toujours à la fin. Bah oui, mais quand le live est à 20h30, faut assumer que vers minuit. Sauf si j'étais en vacances, mais ce n'est pas le cas. Je vais me remettre sur l'écran de mon PC. J'ai ouvert ta chaîne il y a 15 minutes. Ah bon? Bah écoute, ce sont des choses que... Au moins, ça me change des messages qui me disent « Eh, mais je t'ai connu, j'avais 7 ans, maintenant j'en ai 15. Maintenant j'en ai 28, je suis en doctorat. Docteur dans un hôpital. » J'ai découvert ta chaîne il y a 15 minutes et du peu que j'ai... Vraiment. Et... Ouais, admirable. Ça me fait plaisir, c'est rare pour moi d'avoir des nouveaux venus. Je traîne un peu la communauté sur le dos depuis des années. Non pas que vous êtes mon fardeau, hein. Bien loin de là. Et c'est un peu plus rare pour moi d'interagir avec des gens qui me découvrent maintenant. Donc ça me fait plaisir parce que je me dis, ah, mon heure n'a pas encore sonné. J'arrive encore à intriguer des nouveaux venus. Ah voilà, je t'ai connu, j'avais 8 ans. Aujourd'hui, je suis retraité. J'ai découvert à 7 ans, maintenant j'en ai 14. Ça, c'est plutôt le genre de message que je lis le plus. Bon. Pour vieillir. Commencer les vidéos, j'avais 22 ans. Et bientôt j'en ai 32. C'est incroyable. Tant de chaînes, les gars! En juillet, ça fera 10 ans. 10 ans de vidéos. Incroyable. Ce qui me reste. La dernière lampée. Petite, j'étais incapable de faire Ocarina of Time sans tes vidéos sous les yeux car j'avais trop peur et tu m'as apporté de la con. Monsieur mignon, Ocarina of Time faire peur. Ah oui, c'est vrai que... Là, ouais, des passages avec le cimetière Cocorico, les tombes, les effrois, tout le fameux... Et le temple de l'ombre qui arrive juste derrière en mode, tiens, mange-toi deux trucs dégueux. Perso, je devais être en sixième, je passe pas que c'était. Eh oui, on vieillit tous, hein. Karina et dès le premier épisode, je devais avoir 12 traits. Quand j'en ai dit. Ah non, mais je pense que j'ai fait fonctionner la machine Nintendo. Hein. Je pense que grâce à moi, ils ont vendu de la console et du jeu, hein, mine de rien. Parce que c'est pas rare qu'on me dise « Ah, j'ai acheté tel jeu parce que je t'ai vu dessus. Ah, j'ai acheté la console, ah, j'ai machin. » Putain, j'aurais dû faire un partenariat payé ou je sais pas. J'aurais dû prendre un royalty sur les ventes, là. Temple d'ombre, je l'aime pas, mais pas parce qu'il fait peur, mais car il est nul. Aïe, coup dur pour le temple de l'ombre. C'est peut-être pas le meilleur temple d'Ocarina of Time, je te l'accorde. C'est un peu bizarroïde, même en termes de design, c'est un peu particulier. Je pense pas que ce soit le meilleur.
Par contre, le temple de l'esprit juste derrière, masterclass. Musique. Aïe, aïe, aïe. Énorme. C'est un vrai plaisir que tu sois de retour. Que ça dure, c'est toujours des suprêmes moments. Alors, on fait en sorte de durer, hein. On fait en sorte. Aujourd'hui, il y a des youtubeurs qui font des OP avec Nintendo. Alors, j'ai quand même eu mon passage, hein. J'étais en contact avec la boîte com, c'est la boîte qui s'occupe des marketing pour Nintendo et tout. Et donc, quand tu as ce genre de connexion, bah, ils te donnent les jeux tout simplement, hein. Ils te donnent des codes, ils te donnent des contrats aussi. Je sais pas si j'ai parlé de tout ça pour un autre truc, mais par exemple. M'ont donné Platoon 2, je l'ai pas payé par exemple. Eux qui m'ont donné un code pour pouvoir télécharger le jeu. Après, j'ai eu des contrats par exemple sur Star Fox Zero. Star Fox Zero, c'est eux aussi qui me l'ont payé. En physique, cette fois, il n'était pas en dématérialisé. Des fois, ils te donnent les jeux physiques. Et j'avais ce qu'on appelle un NDA. Alors, c'est pas non-disclosable. Bref, c'est un truc de non-divulgation où il fallait que je paraffe toutes les pages, que je signe, etc. Parce qu'il y avait parfois des règles avant la sortie du jeu. Par exemple, oui, sérieux. je n'avais pas le droit de montrer certaines choses. Je n'avais pas le droit de parler de certaines choses. Alors, Star Fox Zero, je me souviens plus quelles étaient les clauses. Parfois, il y en a plus ou moins. Hein. Je me souviens, par exemple. J'étais dans les locaux de la boîte com et c'était la sortie bientôt de Resident Evil Revelation sur 3DS. J'ai testé le jeu là-bas. Et j'ai eu un NDA qui me disait... Alors tout le monde s'en fout que je spoil vite fait un truc de Resident Evil Revelation, quoi. Dans cette démo, tu vois Jill Valentine là et il fallait retrouver Chris Redfield. Et Chris Redfield, il était comme ça, là, dans une... Vous voyez pas, mais j'ai les mains accrochées derrière la chaise. Derrière des barreaux, à une vieille vie dégueulasse, et on le voyait comme... Et en fait, à la fin de la démo, on se rend compte que c'est un mannequin, en fait. On met tout. Et ben, j'avais une clause qui disait que je n'avais pas le droit de divulguer que Chris Redfield, en fait, dans cette séquence-là, là, en fait, c'est pas le vrai, c'est que c'est un mannequin, etc. Ce genre de choses, ils vont vous dire voilà, ne parlez pas de ça ou mettez en avant le multijoueur ou machin. Et toi, bah, il faut que tu acceptes, tu paraffes toutes les pages, tu signes, tu leur renvoies le contrat, machin, scanner tout ça. Et à partir de là, bah, il faut respecter ton truc. Donc, tu fais ce qu'ils ont dit, tu parles de ça, tu parles pas de ça. C'est relou. Non, pas foncièrement, parce que c'était rien de particulier. Après, des fois, c'était aussi genre une vidéo, mais pas plus de 20 minutes, pas plus d'une demi-heure, pas plus d'une heure. Ou vous avez le droit de montrer. Dans Star Fox, je crois que c'était ça. Après, c'est souvent avant la sortie du jeu. Une fois que le jeu est sorti, le NDA n'existe plus. Tu peux faire ce que tu veux après de la diffusion du jeu. Mais avant sa sortie, tu as certaines règles où tu n'as pas le droit de tout montrer. Star Fox, je crois que tu avais le droit de montrer... Alors, premier niveau, peut-être le deuxième, mais pas plus loin, ou des choses comme ça. Nintendo était très content de t'avoir sur les scènes en convention aussi. Ah, c'est la boîte com hein, qui gère tout ça, donc... Ah, hein. Non-disclosure agreement. Merci, Lord. Donc oui, il y a eu quand même eu une période où il m'a envoyé la Super NES Mini. Et ça, je savais pas, donc je l'ai acheté moi-même et j'ai reçu la leur... Il fallait me prévenir aussi, sinon je l'aurais pas acheté. Donc j'ai eu deux Super NES Mini, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai filé le... J'en ai filé. Pas rien, je l'ai même pas revendu. Je l'ai donné à quelqu'un, je sais même plus qui. Peut-être mon ami Cré. Franchement, je sais plus. Sur Pokken, t'avais le droit de critiquer les Pokémon des dernières G. Ah non, mais après, c'est pas aussi subtil que ça, ils vont pas dire « Alors, par contre, vous dites pas de mal des Pokémon ou je sais pas quoi. » C'est juste des choses que tu as le droit de montrer ou de pas montrer, ou de dire ou de pas dire.
NDA sur Toilet Princess, tu pouvais pas continuer à le troisième temps, voilà pourquoi tu as attendu 7 ans. Mais merci Trix, mais personne ne l'avait compris. Mais oui, moi je voulais vous faire la suite de Toilet Princess, mais j'étais sous NDA, je ne pouvais pas. Et que du bien du jeu sinon Strike. Alors, ça fait... Allez, je veux dire, ça fait 2-3 ans bien sûr que je ne suis plus en contact avec eux, parce que bon bah là, la chaîne YouTube, machin, pas le genre de mec à venir gratter... Si tu fais plus de contenu, quoi. Donc maintenant, je paye tous mes jeux. Mais par contre, si je peux au moins apporter cette pierre-là, c'est qu'il ne nous disait jamais faire du bien du jeu. Si on n'en pensait pas du bien. Ou quoi que qu'est-ce. On n'avait aucune clause qui disait qu'on était obligé de dire du bien du jeu. Et on était obligé d'être enthousiaste. On était machin. Non, non, c'était juste... c'est vraiment juste des règles. Pas plus de 30 minutes... pas de stream sur ce jeu-là avant la sortie. Vous n'avez pas le droit de parler de ce petit twist. Voilà. C'est plus des choses comme ça. C'est des règles à respecter, mais par contre, on avait la liberté totale de dire ce qu'on voulait. De toute façon, vous le savez avec moi, je ne suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche et qui dit moi, c'est génial. Incroyable, mais quoi ? Nintendo, des ouf. Non, quand c'est pas bien, je le dis. Où je feins pas l'enthousiasme en tout cas, parce que ça c'est vraiment un truc. Moi si on... Ah bah tu parles du jeu, mais par contre t'en dis du bien, hein. Bah c'est non. Ou alors faut me payer très cher. Je suis corruptible. Passer une certaine somme, on peut parler de tout. Bien sûr. Je suis prêt à dire du bien de Phantom Hourglass. Je paye assez cher. Nintendo va voir que tu refais des lives réguliers sur Nintendo, ils vont trop. Bah non, même pas, parce que j'ai fait mon gratteux, c'est moi qui étais allé les chercher. Je leur ai dit. Je leur ai envoyé un mail, salut. Voilà, je fais quelques vues quand même. Le rat. Bah oui, mais je savais que c'était. Parce que. Alors, pourquoi je savais ça ? Je suis pas allé racketter quelque chose ou quémander quoi que ce soit. Mais j'ai travaillé avant pour un site qui s'appelait... Bon d'ailleurs, Nintendo Master. J'étais en tant que rédacteur et je faisais aussi des podcasts. Et c'est là que j'ai rencontré mes amis. Et on était déjà en lien avec la boîte com. Parce qu'on était un site Nintendo qui était quand même connu. Et donc, bah, c'est eux qui envoyaient les jeux. C'est eux qui nous invitaient sur des trucs ou pour tester des choses en avant-première, tout ça. Donc j'avais déjà eu un premier contact avec eux et je savais que, voilà, on pouvait faire des OP entre nous, on pouvait faire des choses. Et donc, bah, Bibi le ratus. Et donc, à un moment, je me suis dit, bah tiens, ça mange pas de pain. Je leur ai envoyé un mail, je lui avais dit que j'avais travaillé sur une heure ou pas. Et ça s'est fait comme ça. Et les mecs, ils m'ont dit, bah, ok. Je sais plus s'ils m'ont demandé des exemples de vidéos ou des trucs, je leur ai envoyé, je leur ai montré, et puis ils m'ont dit ok, bah écoutez, on vous recontacte et tout. Puis à partir de là, bah, j'étais dans leur petit fichier Excel, et puis effectivement, quand il y avait des sorties, quand il y avait des trucs, bah, ils envoyaient un mail aux gens, etc., aux influenceurs, comme on les appelle. Et voilà, ils nous faisaient des codes, ils nous envoyaient des jeux, des goodies. Ils ont testé des trucs en avant-première dans leurs locaux, des choses comme ça. Donc ouais, c'est moi qui suis allé toquer à la porte. Par exemple, pour la boîte com, la vidéo cuisine. Ah non, ça, celle-là, elle est maison. Celle-là, elle avait pas de sponsor. Enfin, c'était même pas, on peut pas parler sponsor. En plus, on n'était même pas obligé de le dire. C'est vraiment pas de la publicité, en fait. C'est juste... Pour eux, un vecteur de communication en mode « Ok, bah, faites des vues, vous avez une communauté, on vous donne le jeu un peu en avance. Vous êtes liés par les mêmes règles que la presse, donc vous avez le droit d'en parler autant que pas plus. Et puis voilà. Mais c'est pas un placement de produit. C'est pas « Je cale pas, ah ouais. Achetez Splatoon, c'est génial. Salut Mayel, bonne nuit. C'est génial, machin. Vous avez un lien dans la description pour ce... Ah, non, c'est juste un vecteur commercial de cité, quoi.
c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un placement de produit. Donc voilà, les dessous de l'influence. Et, mais ils continuent, bien sûr, les gros streamers ou les gros youtubeurs qui ont persisté, bien sûr qu'ils sont en lien avec la boîte com, ils retrouvent des choses. Les paquets Animal Crossing avec plein de goodies dedans et tout ça, c'est la boîte com. C'est normal pour eux, c'est de la publicité. Des influenceurs qui sont suivis par des milliers de gens contre les produits, on leur envoie des goodies. Ah voilà, ça fait vivre aussi les licences, ça fait vivre un peu, ça entretient le sujet. Normal. Pour 700 balles, Pokémon Diamant étincelant a des graphismes magnifiques. Oh bah moi vas-y, hein, y a pas de problème. Je mets ça sur mon PayPal. Ils ont les consoles gratuites, oui aussi. Là-dessus, j'ai pas pu expérimenter. Ils m'ont pas envoyé la Switch, en tout cas. Pourtant, en 2017, j'étais encore à peu près dans le game. Et ils m'ont pas envoyé la Switch, je l'ai payé. Ils m'ont juste envoyé la SNES Mini. Bien youtubeurs ont eu la Switch OLED gratuitement. Ouais, c'est vrai que j'en ai vu pas mal passer. Mais après, tant mieux, moi je m'en fiche. On sait pas. Je vais pas rager qu'ils aient et tout, tant mieux pour eux. Ils sont un vecteur de communication, et c'est normal. Pour 1000 balles, Octopus Traveler a une superbe structure. Non mais, moi, je dis je demande cher, mais en vrai, je demande pas si... Je donne 50 balles, je te dis qu'Octopus Traveler a une superbe structure, et je te vends les louanges du jeu. Réaction à la mise en scène de ton unboxing. Ah ouais, ça c'était un bon moment, ça aussi. C'est le moment où vraiment... L'idée arrivait 5 minutes avant que je tourne. Et bonne nuit, tuteur. Mais de toute façon, je vais y aller aussi, hein, parce que ça bosse demain. Arrêtez de déconner. Salut mon pote. Et c'est vraiment le genre d'unboxing où je pense que c'était pas prévu. Et l'idée, elle est arrivée d'un coup, et je me suis dit, tiens, Iwata, il a fait une vidéo où il avait des gants pour montrer la Wii, et déballer, faire une parodie. Donc j'ai pris une vieille veste que j'avais, là. La cravate qui était une chaussette noire. Enfin, c'était vraiment fait maison. Hein. C'était vraiment sur le fil. Je trouvais les vannes sur le moment, genre le... la vanne où j'ai un salut japonais, puis je me cogne sur la console, et puis après j'ai un vieux pansement. Tout ça, c'est fait vraiment sur le fil. Ah tiens, c'est rigolo. Tiens, je vais aller chercher un pansement, faire un cut. Et rien n'est prévu. Il y a vraiment très peu de prévu. Hein. Hilarant. Alors, je suis pas sûr que hilarant soit le mot quand même. Adieu à la Wii. Là, je me souviens. Je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais oui. Scène du lit. Oh, où tu vas. On parle même pas, ça. Je vais même redécouvrir des choses s'il faut. Hein. Je suis jamais revenu sur ces vidéos. Donc, je vais vraiment les redécouvrir. Allez, je sais que les annonces de la Japan Expo, j'ai fait des dingueries aussi. Gênant plutôt qu'hilarant. Voilà, ouais, je pense que c'est plus. Un petit raid pour finir. Ah, bah oui, c'est vrai, on est 92. On va peut-être bien de raider. Bah attendez, je prends mon Mac. Bon raid. Qui est en stream à minuit. Oups. Moi, je connais peu de streamers au final. On se le dise. Comment je fais ça, moi, déjà. Le streamer professionnel. Oui, t'as des vidéos en privé sur YouTube? Ah non, j'ai jamais rien retiré. Hein. Tout est dispo. Le cringe comme le moins cringe. Comme le super cringe. Non, je me suis jamais censuré moi-même. Hein. Tout est dispo. Bon, si c'est plus dispo, c'est peut-être parce que YouTube a changé ses règles. Et dans ce cas-là, faut me le dire. Et puis je vois, mais... Oula. Oh non, mais tu vas pas me dire que tu rebugs Twitch comme la dernière fois. Passe avec... Oh lolo. Et j'arrive plus à aller sur Twitch, c'est fou ça. Sur JD qui live en soi. C'est rigolo d'aller voir. En plus. Ah c'est rigolo mais merde, putain, j'arrive pas. Bah attendez, je vais le faire.
Ah non, putain. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On va y arriver. Hein. Je sais juste pas pourquoi mon Twitch ne veut pas charger son. C'est hallucinant. Pas pourquoi. Je crois que c'est bon. C'est 2017, je commence à vieillir. Oh, y a rien qui marche. C'est ouf. Mais non, mais je crois que c'est Twitch. J'arrive même plus à y aller. Même en changeant de navigateur. Sur Streamlabs, on peut pas. Fais gaffe à ne pas arrêter des racines. Oh, mais c'est chiant en plus que la Switch se mette en mode. Je peux pas raid de Streamlabs. Raid, ça veut dire quoi? Ça veut dire on envoie tous les spectateurs d'ici sur la chaîne d'un autre pour lui faire un petit raid sympa, et puis ça peut faire découvrir aux gens des gens. Water patate. Ouais, j'avais déjà fait un raid. Bon, après. Non. Ça, maman. Là, je sais pas comment je vais pouvoir faire. Raid, ça veut dire rouge. Oh, et là. Ah, forcément, sur mon PC, ça marche, mais je suis pas connecté ni rien. J'ai envie d'entendre d'autres streams. Ah si, je suis connecté dessus. Incroyable. Je pensais pas. Alors, attendez, ça arrive. On va y arriver, hein. Six streamers, six fans. Ouais, non, ça va aller. J'ai vraiment envie de lui donner de la visibilité à lui. Alors, attendez déjà. Merci Adrien Domine, qui a renouvelé son abonnement Prime. Et cumule 2 mois d'abonnement. Incroyable. Désolé si j'ai... J'espère que j'ai pas raté de bon. Non, ça va. C'était le seul que j'avais raté. Il y a 31 minutes. J'espère qu'il est encore avec nous. comment je raid? Oh là là, je l'ai pas fait depuis un moment. Faire un clip. On va lancer un raid. Non, Sifano, c'est pas trop ma cam. Il dira ça comme ça. Non, Mister G2, allez, pourquoi pas. Il a pas vraiment besoin. Yes. Alors, comment il a écrit? Comment il a écrit? Ah, ça y est, trouvé. Ah bah oui, 2800 personnes, il a vraiment pas besoin. Personne connaît Marco ici. Ah mais moi je ne connais personne, hein. On se le dise. Il réussira à faire un raid. Bon allez, on fait un Mister GD, on s'en bat. même s'il y a déjà 3000 personnes dessus. Hop. Ah, attendez. Lancez le raid. Qu'est-ce qu'on dit? Faut dire un truc. Je joue avec le gyroscope. Ah, j'avoue. Je joue avec le gyroscope. Allez, c'est parti, préparez vos joujoux avec le gyroscope. Qu'est-ce que je fais? Je fais lancer le raid, là. En tout cas, des bisous, merci, hein. Je vais lancer le raid dans 7 secondes. À donner du love à Mister JD, hein. Il en a besoin, sûrement. Il doit rager. Et n'oubliez pas, je joue avec le gyroscope. Bien sûr, c'est ça qui est bon.
Vous êtes 56 prêts pour le raid. Vous êtes prêts pour le quiz. Allez, c'est parti. Des bisous. Merci d'avoir suivi cette partie de Zelda. C'était bien cool. Et puis, à très vite. Bah, à ce soir. Pour un live chill blabla. Des bisous.